C'est elle qui me casse même les couilles, même actuellement. Même. C'est elle qui me casse les couilles. Tu vas me mettre des glaces, c'est l'autre. Donne-moi un instant. Je vais prendre là. Oh, regardez. Regardez ce qui est fait encore. Téléphone où il y a vidéo, là, c'est ça, il est balancé. Au lieu de balancer le direct avec la tablette, comme je l'ai fait tout à l'heure. J'ai balancé le direct avec le téléphone où j'ai téléchargé la vidéo qu'il a supprimée. J'ai voici, il a mis ça sur YouTube. Attends, voir son YouTube. Il a supprimé, c'est un lâche. J'ai parlé, tu as répondu. Permets-moi de répliquer. Tu supprimes pourquoi? Dieu merci que j'ai téléchargé. Hein? Même si la vidéo n'est pas sur YouTube, là, j'ai parlé de, ce, de cacao. Là. Demain, il est revenu sur ta vidéo que tu as fait. Là. Tu as supprimé. Là. Tu es un lâche. Ça s'appelle la lâcheté. En tout cas, mes jeunes, désolé, il y a devant mon âme. Ça m'a perdu bien m'asseoir. Là. Tu es un lâche, un garçon. Ça ne fuit pas. Tu es un lâche, frère. Tu es un lâche. Oh, tu ne me connais pas, oh. Peut-être c'est maintenant que tu me découvres. Tu ne me connais pas. TikTok, mettez le cœur. On va parler de cacao, là. On va parler de cacao, ne t'inquiète pas. On va parler de cacao, hein? T'inquiète pas. Demain, on va parler de tes bêtises, là, de l'affaire d'université, là. T'as me montré, bac, là, t'as me montré ça ici. C'est pas grave. J'ai déjà lancé le direct, j'ai pas envie de couper encore. Ça fatigue mes abonnés. Non, c'est bon. C'est avec mon téléphone personnel que j'ai téléchargé. Tu vois, il a supprimé. Ça, j'ai acheté ça spécialement pour montrer mes vidéos. Voilà. Faut demander le prix de ça, là, Johnny. Sixième génération iPad Pro. Faut demander iPad Pro 13 inch écran de télévision. Tu peux acheter ça? Tu vas me montrer vieille Mercedes et puis tu supprimes. Tu vois, tu peux même pas tenir un mois. Tu n'as pas dit que tu es fort dans Clash, qu'il n'y a pas personne qui peut te maîtriser. Moi, je te maîtrise. Pourquoi tu supprimes? Fallait laisser un répliquer. Tu as répliqué, on voit ce qu'il y a dedans. Mais de toute façon, tu fais pas vu que moi. Oh. C'est pas pour dire non que je cherche vue. Moi, mais il te donne non. Parce que tu fais plus vue que moi. Et tu fais pas vue que moi. Parce qu'il n'était pas sur Facebook. Depuis que je suis venu sur Facebook, il y a quelqu'un qui fait vue que moi. Il n'y en a pas. Vous tous confondus. Tous les partis politiques confondus. Vous le savez. Toi, tu as déjà fait 1 million de vues en 3 jours. Nous, on a fait ça. Sur la toile, là. En 3 jours, moi, j'ai tapé 1 million de vues. Donc, il n'y a pas vue que je n'ai jamais fait, que j'ai fait avec toi. Tu as compris? Donc, ma mère, c'est ma mère qui te donne le nom. Pourquoi tu supprimes? Faut faire répliquer aussi. C'est pas que tu as regardé ma vidéo que tu as fait ta vidéo. Non. Pourquoi tu supprimes? Attends, oh. Je vais être encore. Désolé, YouTube. Oh, mais elle me fatigue maintenant, là. Ça commence à m'énerver. Tiens. Parlez-vous tout le temps au téléphone? Si j'ai énervé, même. J'ai même pas eu le temps de préparer, de bien me venger, de faire mes vidéos. On va tracer un programme, même. Moi, mais c'est comme ça, j'ai fait mes chirurgies. On n'a pas le temps ici. Donc, on va tracer un programme. Il y a des heures où on cause, il y a des jours où on cause. Le reste, ça faut me laisser y travailler. Ah. Je suis déjà énervé ici. Chers camarades, donnez-moi un instant. Je vais. On va parler de cacao. Il a supprimé l'autre vidéo, donc c'est pas grave. Demain, on va parler de ça. Il y a ça. Il est archiviste. Il pense que c'est lui, c'est l'intelligent. Tu as vu? Toi-même, je suis sûr qu'il est au courant qu'il est supprimé. Il est téléchargé. Il a regardé le petit direct là. Il a regardé. Donc sûrement, il est au courant. Son cœur bat. Il va te répondre. Toi, tu dis que personne ne te ferait dans Clash, non? Tu as dit ça à maintes reprises. Tu dis, toi, personne ne te ferait dans Clash, que tu es le plus fort. Voilà un petit qui n'est même pas connu à Gagnoa. Tu as peur de lui. Depuis qu'on a commencé à toi, il n'est pas le temps. Je n'ai même pas commencé à bailler. Tu as peur de moi. Tu as peur de moi. Ça veut dire que tu es un peureux. Tu as peur. Tu ne peux pas tenir. C'est moi qui ai fermé ton groin là, sur la toile ici. Tu ne me connais pas où? Tu as quitté Facebook. Oh, où est son vieux truc? Son vieux. Ça vient chaîne là même. Qu'est-ce que c'est toi, frère? Johnny. Vous voyez, ça fait 4 heures. Il a fait une vidéo sur Gbagbo. Voilà la vidéo que j'ai répondu hier là. Voilà. J'ai répondu ça là hier. Il a frappé encore. C'est-à-dire toutes les vidéos qui sont sur sa page là, ça parle d'une seule personne. Gbagbo Laura. Il m'a laissé. Tu es fou comment? Tu es fou au carré. Tu n'as rien compris encore. La vidéo dit on n'a pas terminé, on a laissé ça. Et puis regarde, 17 000 vues. Tu as vu? Tu parles de Gbagbo Laurent, tu as 17 000 vues. Moi, il vient le défendre. J'ai 120 000 vues.
Tu as vu? 17 000 vues. Ça fait plus de 24 heures. Ça, c'est sur YouTube. Va voir pour moi sur YouTube. Et puis va voir pour moi sur Facebook. Maudit là. Qui donne vue à qui? If you're thinking about buying voilà. Solar panels, c'est à cause de ça là, tu es sur le publicité là. Pourquoi? Il y avait bloqué les publicités. Ah, ok. Voilà. Et puis moi, j'ai bloqué les publicités. C'est parce qu'elle n'est pas activée. J'ai l'application. Moi, il n'y a pas de publicité. Hein. Il a bloqué ça. Tu n'as pas maillé mon âge de publicité. Puis c'est à cause de ça, tu insultes Babo Laurent. Voilà. Tu vas voir toute la vidéo, ça a coulé. Il n'aura aucune publicité. Il a bloqué ça tout à l'heure. Il y a ça. C'est pas qu'il n'est pas activé. On a les vraies applications. Il regarde vidéo sans publicité sur YouTube. Sans payer. Voilà, je viens d'activer. C'est les vraies tablettes. Tu n'as pas dit que toi tu as fait développement et que toi tu connais. Tu peux rater dans mon email. Que quand tu envoies un email là. Qui ne sait pas que c'est coding? Toi, tu penses qu'il y a quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a eu bac et qui ne sait pas que ordinateur là, c'est coding. On appelle ça coding. Coder, c'est des codes. Tout le monde le sait. Moi, j'ai fait RIT. J'ai eu BTS dans RIT. J'étais d'abord parti, comment on appelle ça même? AI. Comment on appelle ça là? Développeur d'application. Informatique, développeur d'application. AI. ADI. IDA. Voilà, IDA, si je ne me trompe pas. Les grandes écoles en Côte d'Ivoire, on appelle ça IDEA. Ils pensent que c'est ça. Informatique développeur d'application. Il y a mon ami, lui il est parti là-bas. Moi, j'ai préféré, on m'appelait Réseau. Ça, c'est mon deuxième nom à Abidjan. Tu ne me connais pas, on m'appelait Monsieur le Réseau. Parce que, voilà, c'est IDEA, merci. Donc toi, tu vois, quelqu'un qui a licence, tu lui dis, et puis il m'explique, dans la vidéo, c'est à moi, il explique. Tu sais, quand tu envoies un email là, quand tu tapes M là, tu as comme l'impression que c'est M qui s'en va, mais c'est des codes. Mais tu vois, c'est à moi que tu parles. Mais c'est pourquoi tu ne sais pas à qui tu as affaire. Moi maintenant, il te dit qu'il y a un nom. Au lieu de m'expliquer comme un villageois là, faut dire, on appelle ça coding. C'est coder. Tu mets des codes. Ça s'appelle en anglais coding. Toi, tu vas m'apprendre coding. Toi, tu vas m'apprendre coding. Même aussi site internet là, même là, il y a mon voisin de classe, c'est lui qui est en train de framponner ça. Lui, il a eu même, je sais pas, il a quel master dans ça. Voilà, en première année, il était notre premier. Quand lui l'a eu, moi aussi, je suis devenu premier encore, deuxième année en terminale. Toi, tu n'as pas eu bac. C'est de ça qu'il s'agit. Que quand tu envoies un email, tu as la chance que la vidéo là, tu l'as pas mis sur YouTube, et puis tu as supprimé sur Facebook, ça y est dans ce téléphone. Demain, je vais prendre le téléphone. Ou bien, je vais mettre ça en ligne. Je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube en privé. Et puis, je vais récupérer ça ici. Tu vois comment c'est intelligent? C'est-à-dire ta vidéo là, il y a mis sur ma chaîne YouTube. Et puis tu peux même pas savoir qu'il a mis ta vidéo sur ma chaîne. Il met en privé. Et puis je rentre dans mon YouTube, je récupère ici et puis il te framponne. Quand il finit, il supprime. Toi, tu as ma plaque, tu vas m'apprendre développement, tu vas m'apprendre développer. C'est moi, mais je n'ai pas voulu rentrer. Parce que j'aimais le réseau informatique. Donc j'ai fait RIT. Réseau informatique et télécom, je crois bien. J'ai fait, ouais, c'est ça. Réseau informatique, télécommunication. Moi, j'ai fait RIT, j'ai eu BTS dans ça. Et puis après encore, j'ai eu BTS dans CV, communication visuelle. Parce qu'après, j'ai changé de nom, j'ai fait journalisme. Je suis encore allé m'inscrire encore. Ça fait combien d'années j'ai gaspillé? J'ai eu deux fois BTS, deux fois BPC, une fois baccalauréat, une fois licence pro. On va parler de cacao ploma. Demain, on revient. Gbagbo, mon combat. Gbagbo, ton combat. C'est Gbagbo qui est ton combat, non? On est dedans. C'est mes amis qui me découragent. Et puis les gens de l'AES, ils disent non, il faut parler de nous, il faut parler de nos pays, il faut laisser salopa là. C'est à cause de ça. On va continuer. Le débat a commencé. On y va. Salut. Bonsoir. C'est parti, hein. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les Africains. Et j'aimerais ici saluer plus particulièrement Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Tu n'as même pas honte. Un homme qui mange son vomi. Tu n'as même pas honte, Monsieur le Président de la République. Tu as fait n'importe quoi, il ne va pas te recevoir. Drama ne vous connaît pas. Toi, oh, Zasso même qui a commencé à élu depuis 92. Toi-même, tu n'avais même pas encore eu concours de gendarmerie. Et puis Zasso Patrick travaillait pour le RDA. Tu as vu, ils l'ont mis quelque part? Est-ce que tu as vu, ils l'ont mis quelque part, Zasso Patrick? Zasso Dagrou Patrick. Tu as vu, ils l'ont mis quelque part? Zéro à la base. Draman n'aime pas les bêtés. Il ne vous connaît pas. Il ne va jamais vous aider et vous nommer. Si tu veux, il faut dire Monsieur le Président, Monsieur le Mangela de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Hitler de la Côte d'Ivoire. Il faut dire tout ce que tu veux. Il ne va jamais te serrer la paume jusqu'à Dieu va le rappeler. C'est moi qui te dis ça.
faut relever ce défi-là. Le jour où tu as salué Drama Ouattara, tu es fort. Quelqu'un qui ne peut même pas faire 50 000 vues en 24 heures. Tu insultes Babou Laura jusqu'à ses 17 000 vues. Regarde cette vidéo-là, 6 000 vues. Tu as 6 000 vues. 59 minutes de direct, tu as 6 000 vues. N'importe quoi. Tu n'as pas dit que tu es fort. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui est fort que toi. Que toi, tu ne fuis pas les clashs. Tu n'as pas dit que tu es fort. Si tu vois que je suis rentré, bouya! Faut venir te rentrer dans moi. Je suis là. Faut venir rentrer dans moi. Tu es fort, non? Tu fais coding, non? Faut coder Internet. N'importe quoi. Fuya, fraliste. Babou n'a pas fraya, hein. Babou est resté, puis il le prend comme un garçon. Toi, tu as fui. Oh, monsieur le président de la République. C'est comme ça que tu l'appelais hier. Il n'est plus pantalon sauté. Tu mets tes anciennes vidéos ici. Toi, tu peux te réécouter. Toi, tu es un homme. Moi, ce que j'ai dit, depuis, il était même encore sur Facebook là. Tu me ramènes une de mes anciennes vidéos. Tu vas voir que c'est le même qui est là. Un homme, ça ne facile pas comme ça. Un homme sans conviction. Toi, tu es un homme. Tu es de la tranche de Mangou. Des fuyards comme ça. Je comprends pourquoi tu as soutenu Mangou. Lorsqu'il a été lavé par Dobo Blé. Fralis, fuyard. Mougoussa de femme blanche. Tu n'as pas bac. Si tu veux faire monter toutes les universités de ton quartier, ou de ta commune, ou de ta ville, moi je dirais toujours que tu n'as pas bac. Faut monter baccalauréat. Et puis si tu montes un faux bac, il va te poursuivre. Bah, si tu as montré là, et puis mes gars, surveillez sa page. Parce que souvent, on n'a pas les mêmes heures façon là. Il va commencer à parler, puis il va supprimer. C'est un lâcheau. Surveillez sa page. Dès qu'il parle, téléchargez. Et puis envoyez-moi. Dès qu'il poste quelque chose pour me répondre, envoyez ça. Il y a mes gars au plateau. Il a envoyé ça pour dire, voilà, il dit la bague, vérifie ça. Si c'est un faux bac, tu es mort. Ils vont te rappeler à l'ordre. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'as pas bac, il ne faut pas aller fabriquer bac là-bas. Hein. Faut pas aller un bac là. Il y a les numéros dessus. Moi, il peut te montrer pour moi. Tout à l'heure, mais c'est même pas loin, ça est là. À côté. Comme tomate. Faut saluer monsieur le président de la République, Drama Ouattara. Tu as fini de saluer, tu as parlé. Faut nous expliquer cacao là. À lui, tous les militants, sympathisants du RHDP, ainsi que tous ceux qui sont pro-Ouattara, qui ne sont pas forcément issus de ce parti-là, j'aimerais vous saluer. Et saluer aussi nos partenaires. Alors, chers amis, je suis votre frère, ami et camarade, M. Koukounian Christivan, dit M. Niklaus, alias Tony Pacheco. Maintenant, c'est plus Antonio, tu as changé. Moi, j'ai changé ton nom, tu changes aussi ton nom, tu vois, non? Non, maintenant, tu vas dépendre de moi, quoi. Dès qu'il fait quelque chose, tu crées pour toi. Hier, je t'ai appelé Johnny le Tunnel. Ah, c'est aujourd'hui, mais j'ai appelé ça. Johnny le Tunnel. Dès que tu as vu, tu as mis quoi, Kalao, mais Kaplao. Tu vas fabriquer beaucoup de noms ici sur la toile. Il va te rendre fou. C'est plus Johnny Pacheco, Antonio de la Joshi Gangoumbe du MPA que Johnny McPlao. Alors, aujourd'hui, je vais m'adresser. Non, regardez, on va écouter sa présentation d'hier. Il vient de créer le nom tout à l'heure. Comme j'ai créé un nom, il a créé un nom. Vous regardez, lui, là, il est rendu fou ici. Je repars. Non. Faut plus te présenter. Non, allons. Allons sur ta page. Écoutez sa vidéo d'hier, la vidéo que j'ai faite hier là. Écoutez sa présentation de la vidéo. À l'État, les domaines qui devaient servir de... Tu as vu qu'il n'y a plus de publicité, non? Moi, ma publicité, tu ne m'aimes pas l'un de ça. Je regarde ta vidéo, pion sans publicité. Il a bloqué ça. Voilà. Tu n'as pas dit que tu es fort. Toi, tu n'as pas dit que tu es fort. Bon, je te lance défi. Faut bloquer publicité. Tu ne sais même pas comment on fait. C'est pour aller regarder tutoriel sur YouTube. N'importe quoi. Écoutez sa présentation ici. Ça, c'est la vidéo d'hier que j'ai faite. Ça, c'était hier. Là, ça fait 24 heures. Écoutez, comment il va se présenter? Qui va dire ma plao dedans? Présente-toi, maudit là. Voilà. Salut, bonsoir à tous les Ivoiriens. Oui. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les Africains. Et j'aimerais ici saluer plus particulièrement le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il ne va jamais te recevoir. Salutations distinguées à tous les cadres et à tous les militants et sympathisants du RHDP. On a compris. Salutations à tous les pro-Ouattara qui ne sont pas forcément du RHDP. Et j'aimerais surtout saluer tous nos partenaires qui ont foi en Côte d'Ivoire, qui croient en ses compétences, en ses valeurs, qui croient aux autorités et qui accompagnent cette Côte d'Ivoire-là
dans son élan pour son progrès, sa croissance et son développement. D'accord. Alors, chers amis... Vous voyez, il n'a pas mis le nouveau nom qu'il a créé là. Vous avez vu, non? Ça, c'est la vidéo avant sa dernière vidéo. Le contenu qu'il a fait, le direct qu'il a fait. Vous avez vu, c'est à peu près la même présentation. Parce qu'il a changé de présentation maintenant. Il n'est pas panafricain. Oh. Avant, il disait quoi même? J'ai un peu oublié, mais il y avait MPA qui sortait vers la fin. Maintenant, il ne dit plus MPA. Il a changé sa formule. Il va toujours, c'est-à-dire, il mendie l'amitié de Draman. Il va toujours dire maintenant, vous allez voir, hein, à partir d'hier, il va maintenant dire... Président de la République, nos partenaires, ceux qui sont partisans mais qui ne sont pas du RADP. Il y a un Ivoirien qui aime Draman Ouattara sans être au RADP. Tu es fou au carré. Toi, tu penses qu'il y a un Ivoirien ou un Africain qui n'est pas membre du RHDP mais qui aime Draman ou bien qui est son partisan. Ah, ça n'existe même pas même. Tous ceux qui ne sont pas au RADP détestent Draman. Voilà. Donc ta formule, faut reformuler encore. Tu as compris? Faut réécrire ça encore en d'autres termes. Faut enlever la partie, c'est même pas sérieux. Par exemple, on connaît Draman Ouattara. Il n'est pas aimé à part au RADP. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est le premier point. Maintenant, regarde comment tu t'es présenté. Tu as commencé le sujet. Mais la vidéo d'aujourd'hui, le contenu d'aujourd'hui, tu t'es présenté, tu as créé un autre nom. C'est la première fois, toi, tu crées un autre nom encore. Écoutez bien sa présentation. Voilà, salut. Ça, c'est la dernière vidéo. Bonsoir. Je suis avec toi. À tous les Ivoiriens. Mm-hmm. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Oui. Bonsoir également à tous les Africains. On a compris. Et j'aimerais ici saluer plus particulièrement... Mendiant. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Tu entends des mendiants comme ça. Saluer tous les militants, sympathisants du RHDP, ainsi que tous ceux qui sont pro-Ouattara, qui ne sont pas... forcément issu de ce parti-là. Il n'y a pas un pro Ouattara qui n'est pas au RHDP, ça n'existe pas. Il n'y a pas un pro Ouattara, mais qui n'est pas au RHDP, ça n'existe pas. Voilà, mendiant encore président de la République. Il est président, puis tu as coupé sa tête, tu as mis sur un démon. Tu as oublié? Pantalon sauté, tu as oublié? Adama, on peut mendier comme ça. On peut manger son vomi comme ça. Tu te regardes dans un miroir? Quand il enlève ses lunettes, voilà mes yeux. Hein? Toi, tu dis que moi, il porte une lunette. Voilà mes yeux, joli garçon. Tu as vu? J'ai réussi à enlever tes lunettes là, de gorille. J'ai réussi à enlever ça. Tu as vu maintenant comment ça fait mal, non? Tu vois, non? J'étais pris dans une vidéo. Tu as fait ce que tu n'as jamais fait. Toujours tes yeux sont barrés, comme un aveugle. Tu es venu, tu as enlevé les lunettes pour me montrer tes yeux. Il dit que c'est cassé. J'étais provoqué. Tu as enlevé les lunettes. Tu as marché 20 minutes pour aller dans la voiture. Vieux bété, là. Dans froid là, maudit là. Et salut aussi nos partenaires. Partenaires. Alors, chers amis, je suis votre frère, ami et camarade, monsieur Koukounian Christivan, dit monsieur Niklaus alias Tony Pacheco. Vous voyez? Vous voyez? Il me suit de près. J'ai changé son nom, il a changé son nom. Il s'appelle Miklao. Alias Johnny Pacheco maintenant. Il n'a jamais fait présentation. Tu t'appelles Johnny le tunnel. En majuscule. Tu vas voir ça apprendre. Là, depuis il a fait direct, là, il n'a pas encore dit ça. Il y a beaucoup qui ont écrit ça. Sur YouTube notamment. Johnny le tunnel. Johnny le tunnel. Voilà même une dame, Akissi. Akissi Yapi. Elle vient de commenter Johnny le tunnel. Et puis elle a obéi à la manière, à la structure que j'ai donnée à ton nom. Johnny. Écrit normalement avec J majuscule, le en minuscule et tunnel en majuscule parce qu'il y a un gros trou dans ton cerveau. Un gros trou, tu ne réfléchis pas. C'est pourquoi il dit le cas écrit tunnel en majuscule. Ça va prendre. C'est aujourd'hui, il était surnommé, non? Aujourd'hui, d'ici, on va dire un mois, deux mois, trois mois, toute la toile va t'appeler Johnny le tunnel. Tu vas voir. Ouais, ouais. Tu sais pas comment il m'appelle Godzilla. Tu connais pas ma puissance de frappe. Tu n'es pas Maplao, tu es Johnny le tunnel en majuscule. Ton maudit a fouvert pour mettre dessus encore. On continue, pas du cacao maintenant. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à M. Babo Laurent et son équipe. À part Babo Laurent, tu ne peux pas t'adresser à quelqu'un d'autre. Tu vois, tu dépends de lui. Hier, tu t'es adressé à Babo Laurent. Tu n'as même pas fait une autre vidéo. Maintenant, il fait chaque contenu, c'est-à-dire il fait une vidéo par jour. Une vidéo par jour. Parce qu'il lui dit vidéo. Maintenant, là, il fait un contenu par jour. Et sur un seul homme politique. Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent n'est pas le seul homme politique en Côte d'Ivoire.
opposé à Dramane Ouattara. Tidiane Thiam est là. Ou bien, Blé Goudé, c'est un homme politique. Toi, tu es d'accord avec tout le monde, sauf le président Laurent Gbagbo. Mais il t'a fait quoi? Il a Mougou, ta femme blanche, là. Matin, midi, soir, tu insultes Nadi. Tu vois pas sa forme de guitare, là? De Nadi et puis ta femme, là, qui est fraîche. Tu es maudit, tu connais pas les vraies femmes. Moi, depuis ma position californienne, je vois le truc même. Hey, faut pas me voir, mais il ne veut même pas m'attarder, même à la décrire. Tu vois pas? Tu vois pas? Qu'elle est arrêtée comme ça, là, tu vois pas? Ta femme, là, elle est comme ça. On dirait planche. Elle est comme ça. Bien! Il n'y a même pas. Il n'y a même pas. Hey! Regarde, il a te montré. Oh, mais je n'ai pas téléchargé la vidéo. Elle était arrêtée avec Babo Laura de face. Et puis elle a attaché pain, là, comme ça. Elle est en robe et puis elle a attaché pain, là, comme ça. Donc, on voit la guitare basse. On voit ça. Elle est fraîche encore. Wallahi bilahi talahi. Nadi est fraîche que ta femme. Comment tu sais? C'est parce qu'elle se respecte. Sinon, si elle porte les petits vêtements, les petits trucs, comment on appelle ça, les collants là. Si elle se met comme les petites filles bêtes qui montent leur corps là. Toi-même, tu as bavé. Elle est toute en pagne complète. On ne voit même pas moller. Sinon, imagine que Nadi Bamba, elle porte petit. Elle porte collant comme ça. Tu vas aller demander le secret à Babo Laurent. Tu vas baisser les pneus, Babo Laurent a fait un virement à 90 degrés. Elle est fraîche que ta femme. Elle t'a fait quoi? Elle fait pas vidéo. C'est nous, on fait. C'est moi qui fais vidéo. Faut m'attaquer. Moi-même, je suis vilain, fatigué, fini. Les gens, ils connaissent tous mes défauts. Ils m'ont décrit déjà avant que je ne vienne sur toi. On dit, il y a large bouche. Là, je n'en disconviens pas. Ma bouche, là, vraiment. Dramel, elle est là, c'est comme ça, elle baille. Ça, seulement, il remercie Dieu. Dieu ne donne pas tout à l'homme. Il m'a donné large bouche, mais il a déposé ce qu'on appelle le verbe. Johnny Pacheco, même Zawi, faut écouter Zawi. Zawi trame, il ne peut pas me répondre. Il a envoyé cabinet d'avocats. Avocat là, tu vois, cabinet où on chie là. Il a mis beaucoup d'avocats et puis il m'a envoyé ça aux États-Unis. On m'a envoyé des lettres de menaces. On va te convoquer. Tellement il est pris en haut. Mais quand tu l'écoutes, tu vois comment il a bouche, non? On est de même ethnie, hein? On est même du même village. Zawi, le pasteur Zawi, c'est de lui qu'il parle. Il est vivant. Il a fait travailler à l'église. Il ne faisait même pas encore politique. Ça chiait dans ma tête. Je l'ai pris quoi, pendant un mois. Nos limites. Lui-même, il voit que son nom a rempli la toile. On dit, c'est qui ça? Lui, il aime répondre à tout le monde. Non? Il dit la bouche, non, il est éloquent. Non? Quand il m'a écouté, là, il sait que lui, là, s'il a fait clash à lui, là, il allait perdre. Donc, il est passé par un autre circuit. Il a envoyé des avocats d'un cabinet. Que nous sommes un collectif de cabinets. Quel cabinet? Zawi a quel argent pour avoir un cabinet d'avocats? J'ai continué une semaine encore. C'est mon père spirituel qui m'a dit, il faut laisser ça. C'est pas grave, il faut laisser. Et puis, il a laissé tomber. Tu as compris ou pas? Louba, là. Voilà. Donc, de la manière que c'est balèze, là, il y a parole dedans. Je suis un parolier. On m'appelle le docteur Boum. Je suis un parolier, frère. Tu peux pas. Tu vois? Tu as supprimé la vie. Tu peux pas faire clash à moi, oh. Ça dit, la vidéo a fait 2 heures. Mais tu as décrit la patrouille, il a parlé de Nadi, ta femme. Tu as parlé même de certaines choses où il a parlé de militaires. Mais ça, c'est vers les 59 minutes. Ça, c'est après même une heure, quand il parlait des militaires, là. Mais tu as regardé toute la vidéo. Donc, tu as vu ma puissance de frappe. Tu sais que je ne peux pas faire clash avec lui, là. Tu sais que si tu commences, là, quand tu as répliqué, il y a ton nid. Quand tu répliques, je vais ton nid. Ça dit, n'importe quelle vidéo tu as fait, là, il y a ton nid. Tu as vu dedans? Tu as supprimé le truc et tu ne vas plus me répondre parce que tu as honte. Parce que tu sais, si tu me réponds, elle te descend encore. Quand elle t'a donné un mot d'ordre, il dit, il ne faut pas me répondre. Tu m'as obéi, mais tu as fait une petite erreur et ça, tu vas le regretter. Parce que tu as supprimé la vidéo, peut-être qu'après, tu as regardé la partie où j'ai dit de ne pas me répondre. Parce qu'elle t'a mis en garde, il dit, il ne faut pas me répondre. Donc, tu as obéi, mais comme tu as obéi en retard, toi et moi, là, on va faire comme à mon incitation. Il m'appelle Godzilla. Tu ne connais pas ma force de frappe? Je m'appelle Godzilla. On va se battre comme à mon situation. Tu le connais, non? Voilà. On va se prendre. Et puis, il y a toujours mes témoins. Ce sont mes abonnés. Ton maudit ploco placabeur. Tu vois, non? Tu vois comment il parle, non? Il parle, non? Tu es fin. Hé, hey, mon frère, il parle aussi, hein? Tu es fin. Voilà. C'est comme ça, il suit. Voilà. Et comme je sais que l'affaire d'Internet, ça peut arriver dans Niagara, là. Donc, il y a longtemps que je pratique. Et ça, vraiment, je te déconseille. Pardon. Il ne faut jamais me menacer. Moi, il ne laisse pas faire tomber. Hein.
Ça, c'est mon défaut aussi. Moi, je suis comme ça. Je suis comme Zag, yo. C'est un animal aux gros yeux. Quand il t'a attrapé, là, il faut couper sa main. Lui, il t'a attrapé. C'est comme Pitbull. C'est lui que tu vois, là. Voilà. Donc, tu peux faire tes bêtises, hein, mais il faut jamais me menacer physiquement. Parce que si tu m'as fait ça, là, je vais te chercher doucement. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans. Je vais te chercher doucement, doucement. Et puis, il t'a attrapé. Il a donné le téléphone à quelqu'un. Tu vas plus venir sur la toile encore. Faut demander à Mira Blindé. Les gens faisaient bouge bouge, je les ai garés. Ils disent, vous là, si vous faites comme ça, on rentre dans Palab. Personne ne peut. Sur la toile, là-bas, il n'y a pas de garçon qui peut moi m'effrayer. Donc, faut jamais parler de ça encore. Ta petite vidéo, foin, moins. Et puis, toi, tu aimes crier là. Pourquoi tu ne criais pas dans la vidéo? Tu parlais comme un orphelin. Ta femme n'a pas bien mougou, quoi. La vidéo que tu as faite hier, là. Mais tu parles comme un orphelin. Moi, mais écoute, mais tu me fais pitié. Après, il dit, hé, on dit ce qu'elle fait hier, là, c'est pas bon. Hé, hey, le vieux. Papa des gens, il a oublié de se justifier. Il est parti, il est rentré dans l'université, là, il a fait vidéo. Et il est en direct, hein, et puis il est en train de marcher dans le froid, là, jusqu'à il est allé dans le parking pour montrer sa voiture. Après, il s'est justifié jusqu'à un peu, il a supprimé. Adama, la honte. La honte. Tu as vu? Tu as fait clash avec tout le monde. C'est un petit cyberactiviste qui n'était même pas connu quelque part. C'est moi qui viens t'éteindre maintenant. Faut relever ce défi-là, hein? Sinon ça s'est soigné. Hein? Les gens ont déjà écouté la vidéo là-haut. Les trois vidéos que j'ai faites, ils ont déjà écouté. Dieu merci, les vidéos ont été quand même regardées puis partagées. Et puis je n'ai pas te laisser. Faut même pas dire comme s'il ne répond pas, il va se fatiguer. Je n'ai pas te laisser. Il va te prendre au moins sur 2 mois. Non-stop. Non-stop. Tu as apprécié. Tu ne me connais pas où? Moi, il ne laisse pas faire comme ça. Hein? Ah, d'accord. Bon, allons maintenant. Et puis avec toi, là, je prends tout mon temps. Je peux faire 2 heures. Je m'en fous. Voilà. Donc, je prends tout mon temps. On est dedans. Allons, faut parler de cacao, hein, voir. Alors, Laurent Gbagbo, super menteur. Voilà. Lui, sa saison a commencé et j'ai décidé d'étaler les incohérences de ce monsieur-là. D'accord. J'ai décidé d'étaler les mensonges de ce monsieur-là. On a compris. Alors, les gens vont venir dire, oui, Johnny tient des propos irrévérencieux. Johnny tient des propos désobligeants. Johnny est mal poli, etc., etc. Alors, moi, je n'insulte personne. Voilà. Je sais quand j'insulte, mais je sais aussi quand je parle politique. Vous comprenez, sans effectiver quelqu'un. Ici, là, quand j'ai dit que Gbagbo était menteur, mais chers camarades, c'est sur la base de la vidéo que vous présentez, alors, que je dirais que c'était un menteur. On est d'accord ou pas? Alors, je vais vous présenter la vidéo rapidement. Mais tu n'as pas encore... Mon frère, il ne faut pas poser des questions bizarres comme ça. Tu n'as même pas encore présenté la vidéo. Tu ne nous as même pas encore démontré tes arguments. Et puis, tu nous demandes si on est d'accord ou pas. Tu vois, non? C'est quand, lorsque tu finis de parler, tu donnes les arguments, tu donnes tes preuves, tes illustrations, et puis maintenant, tu demandes on est d'accord ou pas. C'est comme ça. Mais toi-même, tu dis que je vais vous présenter... C'est sous la base de cette vidéo, mais quoi? OK? Que je vais vous démontrer que Gbagbo Laurent est super menteur. Et puis, à même temps, tu nous demandes on est d'accord ou pas. On va être d'accord sur quoi? Il faut présenter d'abord l'élément. Pourquoi on soit d'accord? Donc, je te rectifie. Il ne faut plus poser cette question bêtement. On est d'accord ou pas? Il ne faut pas poser ça comme ça. C'est une question que tu poses. Tu vois? Voilà. Faut rectifier la partie là, c'est pas trop joli à voir. On continue maintenant, on y va. Après, on va commencer la vidéo proprement dite. Allons. Alors, un instant s'il vous plaît, je vais la chercher. Alors la vidéo elle est là, on va l'écouter attentivement. Et donc c'est suite à cette vidéo là que moi, Johnny Pacheco, je me donnerai le droit, bien entendu, mais de lui ramener l'ascenseur. On n'a pas bien entendu, hein? Tu n'as rien dit, puis tu dis bien entendu. Et après, je poursuivrai mon allocution. Suivez. Et ils sont venus livrer mon paquet, hein. Et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention. Désolé, comme j'ai fermé mon. Attendez, j'ai fermé mon truc là. Ils sont venus livrer. Hey, my friend! Hey, I'm here. Thank you so much. J'ai fermé mon portail là. Donc, si je vous parle là, mais lui aussi, il a jeté mon paquet là comme ça. Il a jeté mon paquet là dans la cour là comme ça. Hein? Il a fait tout sur lui. Hein? Je vais mettre un mauvais rate, un mauvais, comment on appelle ça, mais review.
Il a jeté mon paquet là comme ça. Johnny, moi j'ai ma boutique en ligne. Je ne travaille pas pour quelqu'un. J'ai ma boutique en ligne. Je vends plein de choses comme ça. Même voiture, tout ça là, je vends. Tu vois, toi, tu mougou femme blanche pour vivre. Voilà, tu mougou femme blanche pour vivre. Moi, je vends. Là, là-bas, là, tout ce qu'il y a là-bas. Là. Il y a plein de choses derrière là-bas qu'ils ont donné aujourd'hui, ils ont envoyé aujourd'hui. Donc, allons-y. À son esprit fou. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à. Voilà. Donc, M. Alassane Ouattara est un menteur. C'est lui qui l'a dit. Donc, lui, il a le droit de traiter les gens de menteurs. Et nous, on n'aurait pas ce droit-là. Donc, chers camarades, voilà pourquoi j'ai dit que dans cette vidéo-là, celui qui dit que tu as dit à Gbagbo que c'est un menteur, donc c'est des propos déplacés, bon, il faut passer voir chemin tout simplement. Tu l'es... Parce que à cette période, tu n'étais pas parmi eux, c'est-à-dire tu n'étais pas un pro-ado. À cette période où le président Laurent Gbagbo disait c'est un menteur, tu n'étais même pas candidat à l'élection présidentielle, ça ne te concerne même pas, tu étais militaire. Donc, si tu veux l'insulter, tu veux dire qu'il est menteur, il faut te mettre dans le même contexte. C'est-à-dire, il faut nous prouver que là, ça te concernait. Parce qu'on a comme l'impression que tu as un problème personnel contre le monsieur. C'est ça, c'est cette impression-là que tu nous donnes. Voilà. Donc, à cette période-là, on était en campagne. Bon, vous, les gens étaient dans la rébellion. Parce que le président avait déjà été investi pour son deuxième mandat. Vous voyez? Et c'est là qu'il a dit aux gens, ne l'écoutez pas. C'est parce qu'il est menteur qui n'a jamais réussi à être candidat ou même président. Voilà, parce que c'était une histoire d'étranger, etc. Donc, à cette période-là, M. Johnny Pacheco, tu n'étais pas concerné. Toi, tu étais au garde-à-vous. Lui que tu t'apprêtes à insulter et à traiter de menteur, là. Quand il traitait Drama Ouattara de menteur, là, toi, là, s'il était en face de toi, là, tu allais être comme ça. Tant qu'il n'a pas dit repos, tu es là. Ton cul te gratte, oh, tu es là. Il y a mouche qui te pique, oh, tu es là. C'est ce que tu étais. Tu étais une statue quand à sa présence. Lui que tu t'apprêtes à insulter là. Quand il traitait Dramane Ouattara de menteur. Et il disait au reste du monde, ne faites pas attention à son esbrouf. Toi là, tu étais une statue devant lui. Ça dit, si lui il se met devant toi là, tu es comme ça. Tu vas appeler Mangou pour venir te sauver. C'est Mangou qui va venir te sauver devant lui. Le chef d'état-major. Tu comprends un peu, non? Mais tu t'apprêtes à traiter aussi de menteur. Donc, il faut démontrer, on va voir le mensonge. C'est rouge, là, j'ai dit que c'est rouge. On est d'accord? Il faut dire c'est rouge, mon frère. Alors, j'aimerais commencer ma vidéo en ce thème, bien entendu, en saluant Nadi Bamba. Mais tu as salué, non? De la sauce graine, comme M. Gbagbo Laura nous l'a recommandé. Voilà. Donc, on va suivre la vidéo parce que désormais, ça sera... Nadi Bamba, là, elle est plus fraîche que ta femme. Je l'ai déjà démontré. Tu as fait hier demander à maman Nadi Bamba de se... c'est pas bon. Dieu merci que j'ai ma chérie déjà. Donc, même si elle va me toucher, elle va me constater sur ma chérie. Il ne faut pas jouer avec le produit, le biscuit de M. Gbagbo Laura. C'est ça qui t'énerve. Maman Nadi, pardonnez. Coupez la partie là, envoyez ça à maman Nadi. Comme elle cache tout là, c'est pourquoi tu te fatigues. Elle est propre que ta femme. Peut-être même qu'elle a l'âme que ta femme. C'est même pas peut-être, elle a l'argent que ta femme. Ta femme n'a pas épousé un ex-président, mais un président. Ta femme a épousé un fraliste. Elle a épousé un ancien président. Elle a épousé le premier homme politique opposant d'un pays, de l'histoire d'un pays. C'est ça qu'elle a épousé. Elle a épousé un écrivain, un docteur. Et hier, je me suis trompé, j'ai dit, il a enseigné au lycée, quoi là même là. Ce n'est pas scientifique, c'est classique. Je me suis trompé la partie là. Merci à tous ceux qui m'ont rectifié hier. Voilà, il a enseigné au lycée classique d'Abidjan. Toi, tu as fréquenté là-bas? Toi, tu connais le lycée classique d'Abidjan? Le président Gbagbo Laura a enseigné là-bas. Voilà. Donc, Johnny le tunnel, faut laisser Nadi tranquille. Faut laisser Nadi tranquille. Tu as fait, non? Moi, j'ai demandé à la maman, là, elle a qu'à se mettre un peu en jeûne d'une manière, là. Comme ça, t'as fait quoi? T'as frappé à Oko sur elle. Peu, on ne sait pas ce qu'elle t'a fait. Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Nadi t'a fait quoi? Gbagbo Laura, ce n'est pas ton père biologique. Regarde comment tu entends de le maltraiter. Tu entends de l'insulter tout le genre, tous les jours. Donc, ce n'est pas ton père biologique. Donc, même s'il a pris une guénonne, où est ton problème? Ton problème, il est où? Quand Gbagbo Laura, quand le président Gbagbo Laura a parlé de Blé Goudé, là, il a parlé des femmes de Blé Goudé. Est-ce qu'il a indexé la femme de Blé Goudé?
Il a parlé de l'histoire de cuisine. Mais toi, tu laisses ça, c'est sur la... Et que Nadi a parlé ce jour-là. Nadi Bambala, est-ce qu'elle a pris même le micro pour parler? Elle t'a pas parlé. Elle n'a même pas broché. C'est entre vous les garçons. Mais tu laisses ton ami garçon, c'est sur sa femme tu viens. Mais il ne comprend pas, c'est une femme. Elle, normalement, elle doit faire choses avec les Simone. Mais comme elle n'est pas dans ces choses, elle ne parle pas. Quand tu laisses ton ami garçon à parler, il a parlé à son ami garçon. Ça ne te concerne même pas. Blé Goudé n'est pas RHDP. Tu as chargé le palabre. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on continue. Voilà, notre générique. On va présenter ça aux Ivoiriens. Parce qu'il faut toujours rappeler aux Ivoiriens de saluer Nadi Bamba pour l'argent de la sauce graine. Oh. Et puis après, on va présenter la vidéo, on parlera du cacao. Oh. Alors, on écoute. Il va perdre le temps aux gens encore. Bon. J'ai poussé mon allocution. Bon, il a pioché dedans. Il va me perdre le temps encore. On a déjà écouté ça hier. Alors. Mentir à l'opinion publique disant qu'au Ghana, le cacao est vendu à 3000. Mais pourquoi faire ça? Et regardez un monsieur comme ça. Regardez. Quand il nous dit, par exemple, de remercier Nadi Bamba chaque jour, cela sous-entend que demain, si par miracle, si par sorcellerie, il accédait à la magistrature suprême, si par miracle, mais c'est Nadi qui allait gérer les portefeuilles. Ne t'inquiète pas. Moi-même, là, je viens proposer cela. Je pense que je l'ai déjà dit à deux reprises. Je vais proposer qu'elle soit la candidate du PPACI. Tu vas voir. Miracle que tu appelles miracle, là, ça va devenir réalité dans tes yeux. Tu ne vas pas croire. Voilà. Comme tu la détestes tant, moi, je vais proposer qu'elle soit la candidate du PPA. Puisque vous avez enlevé le nom de son mari. Donc, c'est elle qui va remplacer son mari. C'est tout. Comme ça, l'onction continue. Comme ça, même là, tu as, maintenant, comme ça, tu as maintenant un alibi pour l'attaquer. Parce que pour l'instant, elle ne fait même pas politique. Ce n'est pas elle qui a parlé. Tu l'attaques. Durant toute ta vie, là on a, j'ai sauté à la 15e minute. Tu as encore su elle. Attends, c'est parce que tu voulais présenter la vidéo. La vidéo là. Où Babou a parlé. Tu voulais présenter. C'est pourquoi elle est sautée. On est à la 15e minute. Mais là encore, tu as encore su elle. T'inquiète pas. T'inquiète, pardon. Elle va devenir la candidate du PPACI. À partir de là, tu vas maintenant avoir la force de critiquer ses actions. Tu vois. Il faut laisser sauce graine là, pardon. Tant même où tu es là, tu ne manges pas sauce graine. Tu manges nourriture bizarre. Tu n'as pas le choix. Tu ne manges pas sauce graine. Donc, il faut laisser sauce graine de Madame Nadi Bamba tranquille. Elle t'a rien fait. Mais tu es devenu une deuxième Alaise athée. Tu es tellement tombé. Alaise athée, elle a fui le débat. Elle a abandonné la lutte contre Nadi. Nadi n'a pas répliqué. Elle est fatiguée. Elle ne fait plus vidéo. Tu veux prendre sa place. On ne te comprend plus. Tu veux prendre la place de Alaise athée ou bien qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'était entre femmes et femmes. Toi, tu es garçon. Il faut venir sur nous. Pourquoi tu supprimes ta réplique à ma personne, envers ma personne? Tu as supprimé. Voilà un petit garçonnet. Tu es vieux que moi pour mettre dessus. Hein. Tu es vieux bêté. Un petit garçonnet te lance défi et puis tu fuis. Tu parles et puis tu te rétractes. Tu vois, tu n'es pas garçon. Nadi, c'est une femme. C'est une femme battante. Ce n'est pas de sa faute. Si une star est tombée amoureuse d'elle, ce n'est pas de sa faute. Elle est mieux que ta vieille femme blanche là. Toi, tu penses que ta vieille femme blanche, elle a trouvé bon homme dans sa vie. Et puis elle a parti se mettre en bas d'un vieux bété comme ça là. Déchiré, visage déchiré, cousu là. Toi, tu es un brigand. Ton visage est déchiré, c'est cousu. Ça se voit même comme ça. C'est parce que tu es un truand que les gars t'ont piqué à Paris. Tu es un truand. Ils t'ont piqué parce que tu exagérais trop. Dans tout ce que tu fais, tu deviens fou. On peut parler de Dramane Ouattara sans couper sa tête, puis mettre sur un démon. Il n'est plus le collecteur des testicules des Ivoiriens ou des crânes humains. Il est devenu aujourd'hui président de la République. Et tu penses qu'il va te saluer un jour? Il ne va jamais te recevoir. Si tu veux, faut dire président de mon cul, il ne va pas te recevoir. Faut dire président de mon village, il ne va pas te recevoir. Faut dire président de mes testicules, il ne te recevra jamais. C'est sur la pauvre Nadi, tu as force. Elle t'a fait quoi? Ou bien tu es fan d'elle, en cachette. Babou va te gifler, non? Il est grand détail que toi. Oh. Babou Laura, il va. Tu vois, il y a un nouveau boxeur là. Vous le connaissez, non? Lui, quand il boxe, il s'amuse et puis il fait quoi? Qui le connaît? Il y a un nouveau là. Il a fait un peu de buzz aux États-Unis ici là. Dans MMA ou même quoi là. Il boxe et puis il dribble comme ça. Et puis il fait comme ça. Et puis il fait comme ça. C'est comme ça que Babou va te frapper. Babou, c'est comme ça qu'il va te frapper. Et c'est que vous le connaissez. C'est un nouveau là.
Il fait beaucoup de buzz là. Il a une manière de faire boxe là. Il fait comme ça. Et puis il dribble comme ça. Et puis il danse. Et puis il fait comme ça. Si tu es fan de Bobo Lorof, si tu es fan de Nadi Fodi. Elle a pustelé. Attends, te montrer. Elle a pustelé. Nadi a ça là. Regarde ça là. Elle a ça là. Regarde. Hey, TikTok n'aime pas ça. Attendez, désolé, TikTok est fermé. Elle a ça là. Nadi a ça. Elle a pustelé. Toi, ta femme là, elle appelle. Perle pour creuser tombe. C'est plat comme ça. Ta femme, elle a perle. Tu connais perle, non? Pour creuser tombe là. Hein? Voilà. Et parce que Godzilla, il a demandé ça à chose, à mon situation. Il dit, est-ce qu'il y a une quincaillerie à côté de toi? Il dit, mais c'est pourquoi? Il dit, il faut acheter perle, je viens. C'est pour faire quoi, ça? Il est enterré, ça. C'est ça que ta femme a. Nadia, elle a pustelé, elle a PA. T'as compris ou pas? Tu vois, imagine, tu as la clash avec moi. Toi, tu m'écoutes là, tu es fan. Tu sais que petit là, c'est pas amusement. Ça, il m'amuse, hein, tu vois. Par exemple, tu dis rien de bon, il m'amuse. Je vais te montrer Nadi Bamba. Oh, il y a une récente photo que j'ai vue d'elle. Je sais pas où il a trouvé ça. Oh. Sa récente photo là, où ça y est? Où elle était avec Babo Laurent là. Oh, Nadi. Nadi là, comment on écrit même? Nadi Bamba. Voilà. Hey. Regarde. C'est Babo qui mange ça. Ça n'a pas quelque part. C'est Babo qui tègue ça. Allez, et puis il mérite ça. Il a fait un combat national panafricain. Interplanétaire. C'est son cadeau que Dieu lui a donné. Si tu es fâché, va prendre Godjula aussi. Mais Godjula sait traiter les gens. Moi, j'ai marché go Burkinabé. Voilà, j'ai marché avec une fille Burkinabé. Vrai dans Abidjan. Elles savent prendre les gens. C'est pas pour le Babo est pein. Voilà. Elles savent prendre garçon. Et puis Godjula. Elles ont fini à démoisir garçon, hein. Godjula dépasse femme blanche. Ta femme blanche qui te matache, puis tes reins se cassent là. Avant qu'elle te donne 100 euros là. Godjula dépasse ça. Toi tu connais Godjula qui est l'enfant. Elle prend tout son âme et puis elle s'occupe de toi. C'est le vrai. Hey. Il n'y a pas. Oh. Regarde. Là comment elle est en forme. Regarde comme elle est en forme. Johnny, Ngrecheko, faut regarder, pardon. Regarde comme elle est en forme. Hey! Imagine si elle tourne. Tu vois, tu es tellement bête. Au lieu d'envoyer des arguments sur le cacao, c'est sur la femme là que tu perdures. Moi aussi, là, je suis en train de perdurer dessus. Imagine que toi-même, tu regardes ce direct, tu vas avoir honte comme ça. Tout le débat est sur elle. Donc, on va la montrer maintenant. On est fatigué, on est waro. Elle t'a fait quoi? Si tu es fan aussi, faut tenter. Elle est là. Elle n'est pas encore mariée légalement. Hein? C'est vous qui dites que. Bah, c'est ça, non? Elle n'est pas encore mariée légalement avec Babo Laurent. Peut-être que si tu es fort, tu peux l'arracher. On ne sait jamais. Hein? Ah oui, chien. Où on est arrivé là? C'est le plus fort qui gagne. Ton draman là. Tu penses qu'il est au pouvoir parce qu'il l'a élu? C'est parce qu'il utilise les armes. Il utilise les nyangbro. Les enfants en conflit avec la loi. Les rebelles. C'est pourquoi il est encore au pouvoir. Et puis là, il a violé la constitution. Donc où on est arrivé là, c'est le plus fort qui gagne. Si tu es fort, il faut aller la draguer. Elle est là, non? Elle est en vie. Elle est à Abidjan là-bas. Tu nous emmerdes là. Si tu es fan de la femme, faut aller l'appeler. Toi, ta femme, elle a déjà porté un t-shirt où tu es dessus. Voilà ça. Son mari est sur sa poitrine. Faut regarder. Son mari est sur sa poitrine. Regarde. Voilà. C'est son mari. Là. Les deux bras. Faut regarder les deux bras soulevés. Il y a une bras qui est sur un sein et l'autre bras est sur un sein. Toi, tu penses que le lien qui est entre les deux là, c'est amusement? Elle a vu le modèle et puis elle a demandé le modèle. Regarde les deux bras. Faut regarder où les deux bras sont posés. Regarde les deux bras. Les deux bras. Regarde les deux bras de Babo. Les deux bras soulevés. Les deux. Hey, le frère Alice. Le frère Alice. Hey. Yako. Yako. Yako.
Regarde ici. Regarde. Regarde ici. Regarde. Ça, c'est Nadie, hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Faut regarder Johnny. Johnny. Ta femme est comme ça, là. Johnny. On va courir dans le sac de piment. Voilà Nadie. C'est elle qui est en noir, là. Non. Elle est où-même? Oui, c'est elle qui est en noir, là. Mais vous pouvez me tromper ici, hein. Réa Nadie Bamba. Pardon, faut regarder. Réa vers le bas, là. Regarde. À partir d'ici, là. Faut regarder vers ici, là. Faut regarder. Réa ici, là. Tu vois l'expression. Est-ce que... Oh, c'est intéressant, hein. Quand tu parles des bêtisiers, des bêtes, des personnes bêtes, c'est intéressant, hein. Est-ce que tu peux parler du cacao? On va évoluer. Faut laisser Nadie tranquille. Faut parler de cacao, hein? Pardon. Voilà. Faut la laisser. Hein? Faut la laisser. La voici. Elle t'a fait quoi? La voici. Elle t'a fait quoi? Un peu seulement au Nadie a fait quoi? Faut parler de cacao, là. J'ai sauté encore 15 minutes dans ta vidéo. J'ai sauté 15 minutes. Pardon. Où il est tombé là? Faut parler. Sinon, elle te laisse où? Il a coupé direct là. Tu attends de perdre mon temps pour rien. Il pouvait parler même d'Ibrahim Traoré, c'était mieux. Hein? Je vais atteindre les 100 000 sur YouTube. Si elle parle de toi là, il n'y a même pas beaucoup de personnes. Il y a 438. Il n'y a même pas beaucoup de personnes en ligne. Il y a Facebook. Il n'y a même pas 200 personnes en ligne. Les gens ne sont même pas intéressés. Tu entends de casser mon rythme. Tu casses mes vues. Les gens ne sont même pas intéressés. Oh. Là, Facebook, il n'y a même pas de personne à lire. YouTube, il y a 425 personnes. C'était mieux même qu'il parle d'autres personnes. Moi, je pensais que tu étais un homme de choses, d'arguments. Maudit, là. Je saute encore 15 minutes de plus. On voit. 2006, 250 francs les kilos. De 2008 à 2009, 650 francs les kilos. De 2009 à 2010, 900 francs les kilos. De 2010 à 2011, là où Ado a pris un peu là, 1100 francs les kilos. Tu mens même. Non, tu vas dire, quand M. Bobo Lourin était président, le cacao n'a jamais coûté 1000 francs. Parce que tu dis de 2000 quoi à la main à 2010, c'était 900 francs. C'est quand Alassane Dramane Ouattara a pris le pouvoir que le cacao est devenu 1100 francs. Tu es un menteur. Ou bien si tu payes, je vois que tu es en train de lire via un téléphone. Le téléphone où tu lis, là, peut-être que là, ils t'ont blagué. La source n'est pas fiable. Même en 2010, en pleine campagne électorale, le président Bobo Lourin a dit, qui dit mieux? On a relevé le prix du cacao, qui dit mieux? La vidéo même est encore sur YouTube. Tu entends des mentir. Là maintenant, tu entends des mentir maintenant. Tu vois, une chose est d'avoir un gros tunnel dans son crâne. On peut comprendre, tu n'es pas intelligent. Il y a un gros trou dans ton cerveau, donc on peut comprendre. Une autre chose est de mentir. Ça, c'est différent. Non seulement tu n'es pas intelligent, tu as un tunnel dans ton crâne, mais tu mens encore pour mettre dessus. Donc il va rester quoi? Puisqu'il y a un gros trou. Maintenant le reste de c'est-à-dire ton cerveau là, les petits cerveaux qui restent sur le côté là, tu mens encore dedans. C'est-à-dire il y a un tunnel ici, et puis il y a un mensonge ici. Mais ta tête est vide. Tu as un gros tunnel, Johnny le tunnel. Et puis tu mens encore pour mettre dessus. Moi j'ai fait mes recherches aussi. Aïe. Est-ce que ça apparaît dedans? Prix du cacao. Cacao sous Gbagbo. Il n'y a même pas mis de date même. Il y a même un prix du cacao sous Gbagbo. Voilà ça ici. Là ici. On dit ça fait 6 ans que le poste a été fait. La personne s'appelle André Sylvain Conan. Tu le connais, non? Lui, il aime toujours insulter Gbagbo Lourin. Voilà ça ici. André Sylvain Conan. Lui, il aime toujours attaquer le PPACI. Je ne sais pas s'il a arrêté maintenant. Mais avant, il nous attaquait. C'est lui qui a fait le poste. Ça fait 6 ans. Là, il dit. Le prix du cacao de Côte d'Ivoire fixé à 110 francs sous Laurent Gbagbo le 1er octobre 2020. Ça dit, la date que j'ai dite là, c'est le 1er octobre 2020 que le poste a été fait. Hein. Toi, il y a un gros tuyau. Si je ne précise pas, tu vas dire, ah, je n'ai pas dit, c'est en 2020 que Gbagbo Lourin a fixé. Attends, en 2020, Gbagbo Lourin n'était pas président. Donc, il faut que, pour toi seulement, il y ait précisé. Quand ils ont mis en parenthèse le 1er octobre 2020, c'est le 1er octobre 2020 que André Conan Sylvain a fait le poste. Donc ça doit faire 4 ans. Je ne sais pas pourquoi on dit ça fait 6 ans d'être parti sur le poste. Voilà. Oh shit. Attends. Ah ok. Ça fait 3 ans même d'ailleurs. Regardez, je vais te montrer le poste sur Facebook. Je vais cliquer dessus. Voilà. Voilà le poste ici.
voilà la photo qu'il a mise. Voilà la photo qu'il a mise. Et voici le poste. Regardez. Regarde. 1er octobre 2010. C'est là qu'il a fait le poste. Faut regarder. Oh. Le truc a été fait le 1er octobre 2010. Voilà. C'est là qu'il a fait le poste. Si Dieu voit encore la date, comme tu es trop écervelé, tu viens ici, tu regardes les commentaires là. Faut regarder les commentaires et faut regarder la date à laquelle les gens ont fait des commentaires. On dit ça fait 3 years. Ils ont mis 3 et puis Y. C'est-à-dire 3 ans en arrière. Que André Sylvain Kona a fait le poste. Il dit sous Gbagbo, le cacao était 1100 francs. Toi, tu dis que c'est quand drama. Tu dis après 2011, le cacao maintenant est devenu 1100 francs et que avant 2011, c'était arrêté à 900. C'est ce que tu viens de dire. On va réécouter la partie là. On va réécouter. On va aller doucement. Donc, entre toi et André Sylvain, qui dit la vérité? Écoutons. 2012-2013, uh-huh. 700 francs le kilo. Uh-huh. 2013-2014, 750 francs le kilo. Uh-huh. 2014-2015, 800 francs le kilo. Uh-huh. 2015-2016, 1000 francs le kilo. Uh-huh. 2016-2017, 1100 francs le kilo. Uh-huh. Ah non, là, 2017. Non, là, il parle maintenant de Dramane Ouattara. Voilà, mais je vais pour Gbagbo Laurent là. Il est trop. Il parle de Dramane Ouattara. Oh. 2012-2013. Oui, 2012-2013, c'est Dramane qui est au pouvoir. C'est pourquoi les prix sont élevés. Il fait les choses. Je ne sais pas où il prend. Je ne sais pas où il prend ces chiffres-là. Vous voyez, moi, il veut les taper sur Goulou Goulou. André Kona Sylvain, il est vivant. C'est lui qui a fait le poste. C'est un journaliste. Il est vivant. C'est pas fini. L'infodrome de Côte d'Ivoire. L'infodrome de Côte d'Ivoire, il y a 4 ans. Je vais cliquer dessus. On va lire ensemble. Voilà. Où tu enlèves tes trucs, regarde. Eux-mêmes, ils ont mis la photo de Gbagbo Laurent. Infodrome Côte d'Ivoire. Ils ont mis la photo de Gbagbo Laurent. Il y a dit, il y a un tunnel. C'est-à-dire, il y a un gros tunnel dans ton cerveau. Donc, ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu lis. Tu vois, non, c'est comme une carte mémoire, il y a insuffisance d'espace. Vous voyez les cartes mémoire de 32 gigas là. Ou bien 16 gigas. Ou bien 350 mégabits. C'est mémoire comme ça que tu as. Tu vois, non? Donc, malgré qu'il y a l'information devant toi, ton cerveau ne peut pas accumuler ce que ça voit. Il y a un tunnel dedans. Sinon, quand tu tapes prix du cacao sous Gbagbo Laurent, tous les articles qui vont sortir là, minimum, c'est 1000 francs. Mais ta carte mémoire est faible. Tu vois, maintenant là, on est dans Tera. Toi, tu es encore dans Mégabit. Mégabit, c'est une seule vidéo, un seul film. Il n'y a plus place. Il y a des films qui font 8 gigas, 4 gigas. Des séries, des feuilletons. Toi, maintenant, là, on roule dans Tera. Tera, ça veut dire 1000 gigas. Toi, tu es encore dans Mégabit. C'est pourquoi tu réfléchis comme ça? Adama, on peut faire ça? On peut faire ça? Je reviens encore. On va maintenant dans APA News, agence de presse africaine. Agence de presse africaine. Je vais cliquer là-bas encore. Ça fait 2 jours. Donc, je pense que c'est ce que Gbagbo a dit là qu'ils ont répété ici. Ça fait 2 jours. Donc, ça m'intéresse pas. Voilà. Abidjan.net. Regarde, Abidjan.net. Et ça a été fait à la même date que André Sylvain. Regarde ici. Je n'ai pas envie de retourner la caméra. Il y a 3 directs devant moi. Donc, je n'ai pas fait la discrimination. Sinon, j'allais retourner pour vous montrer. Mais vous pouvez taper seulement prix du cacao sous Gbagbo. Tout ce que je vous dis là, vous allez voir. C'est sur Goulou Goulou. D'après Gohou Michel. C'est sur Goulou Goulou que je prends les informations. C'est pas sur là où ton cerveau est truc là. Tu vois, je ne sais pas où tu as pris, qui t'a donné les informations. Mais il y a un problème. Voilà, Abidjan.net. Tu connais très bien Abidjan.net. Ça, au moins, je sais que ton cerveau a la capacité de reconnaître cela. Parce que ton Alzheimer, ça dépasse pour M. Joe Biden. C'est ça qui est la vérité. Regarde ici. Abidjan.net. 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 Voilà ça ici. Voilà. Faut regarder ici. Le prix du cacao fixé à 1000 francs. Ouattara n'a pas pu atteindre le record de Gbagbo. Ça a été fait le 1er octobre 2020. Toi, tu dis que de 2014 à 2016, Dramane Ouattara est passé à 1500. Abidjan.net dit, le 1er octobre 2020, là, c'est là que Dramane est revenu à 1000 francs. Il n'a pas pu atteindre le record de Gbagbo. C'est écrit noir sur blanc. Je vais zoomer. Peut-être que ta mémoire peut assimiler ça. Regarde ici. Regarde ici. Peut-être c'est renversé, hein, mais il faut faire l'effort de lire avec ta mémoire de moineau là. Le prix du kilogramme de cacao fixé à 1000 francs. Ouattara n'a pu atteindre le record de Gbagbo. Est-ce que tu peux faire l'analyse grammaticale? Analyse logique, ça c'est au CM2, comme tu as eu BPC là. Parce que si je veux partir vers la dissertation, tu n'as rien compris. Tu vois, non, dissertation, tu n'as pas fait. Tu ne connais pas dissertation. Oui, voilà. Donc, comme tu as eu BPC, est-ce que tu peux faire tu connais analyse grammaticale, analyse logique? Moi, j'étais au CM2 en 1996.
J'avais le super un enfant aussi, hein, Johnny. 1996, j'étais au CM2. Toi, tu n'as pas eu BPC. Voilà. Donc, il faut souligner. Groupe nominal. Complément d'objet direct. Est-ce que tu peux faire ça? C'est là que ta réflexion arrive. On dit le prix du kilo de cacao est fixé à 1000 francs. Et là, ça a été, le poste a été fait le 1er octobre 2020. Ça veut dire, et lui-même il a dit, Abidjan Point est allé plus loin. Deux points, Ouattara n'a pu atteindre le record de Gbagbo. Mais toi, tu dis quoi ici? Qu'est-ce que tu dis ici là? C'est quel mensonge que ton cerveau te permet de dire là? Attends. Il y a quoi ici? Attendez, je viens. Non, on sait jamais. Johnny Pacheco est venu me rendre visite. Personne. Johnny, c'est toi qui est venu me rendre visite là, parce qu'il a vu. Il a vu cran de quelqu'un là. Moi, je peux me plaisanter, hein, Johnny, aussi prêt, hein. Faut faire attention, si c'est toi qui viens chez moi, faut faire attention, hein. Ah, on sait jamais, mon frère, c'est aller vérifier. Voilà. Moi, je tire avant d'appeler la police. Moi, c'est bizarre, hein. Je me poids, et puis maintenant, il appelle la police. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ici, là, c'est pas ta maman qui a acheté ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, là? Et on va écouter. 700 francs le kilo. Mm-hmm. 2013-2014, 750 francs le kilo. Mm-hmm. 2014-2015. 800 francs le kilo. D'accord. 2015-2016, 1000 francs le kilo. Tu as vu? 2000 quoi? 2015-2016, 1000 francs le kilo. Regarde ici, en 2020, Abidjan Point dit, c'est là que c'est devenu 1000 francs. C'était pas en 2016. Donc tu mens. Le prix du cacao a atteint 1000 francs en 2020, le 1er octobre. Et c'est pourquoi c'est à la même date que André Silver a fait le poste. Abidjan Point a fait le poste, Infodrome a fait le poste. Je vous ai montré ça ici. Ça y est, il faut taper. Parce que c'est le 1er octobre 2020 que Dramane Ouattara a augmenté le prix à 1000 francs. Donc, tous les journaux ont critiqué. Mais toi, tu viens ici, tu dis c'est en 2016 qu'il a fait ça à 1000 francs. Ah, il a oublié. C'est avec la mémoire. Ça vient avec le trou là. Parce que toi, tu es né avec un gros trou. Tu vois le tunnel. Donc, ta réflexion est différente de nos réalités. C'est pourquoi jusqu'à présent, au lieu d'attaquer Gbagbo Dorah, c'est Nadi tu attaques. Parce que tu as un problème, il y a un dysfonctionnement. Il y a un boulon qui a pété. Donc tu es en retard. C'est-à-dire, l'application n'est pas mise à jour. Tu ne sais pas que chaque fois on met à jour. C'est pourquoi tu as un vieux téléphone. L'autre téléphone là, c'est automatique. Même hier, ils ont mis ça là à jour. Ça là, il y a maintenant ce qu'on appelle le tout dernier. On dit AOS, comment on appelle ça là? Je vais te montrer la version. Voilà la version. Regarde la version que j'ai. Oh, vous ne pouvez pas voir. Est-ce que vous pouvez voir même? Regarde ici. 17. La version de mon trou, c'est 17.3.1. Tous ceux qui ont iPhone, allez-y dans à propos. Et puis regardez la version. On appelle ça iPad OS version. Il y a beaucoup qui n'ont pas ça. Moi, j'ai téléchargé ça. J'ai téléchargé la dernière version hier. Donc, toi, au fait, ton système là ne se met pas à jour. Il y a un problème. Parce que là où André Silver dit c'est devenu 1000 francs le 1er octobre, là où Abidjan Poignet dit c'est devenu 1000 francs le 1er octobre, toi tu es encore en arrière, tu es encore en retraite, tu dis c'est en 2016 c'est devenu 1000 francs. Non, c'est à quel moment c'est devenu 1200 ou 1300. On va l'écouter la partie là. On va écouter. Je vais ramener un peu encore parce qu'il ment. Quand il ment, il faut le reprendre. Il ment. Tu mens, frère, tu mens. On y va. 2006, 250 francs le kilo. Mm-hmm. De 2008 à 2009, 650 francs le kilo. Mm-hmm. De 2009 à 2010, 900 francs le kilo. Hey. De 2010 à 2011, là où Ado a pris. Voilà. Donc il veut dire que sous Gbagbo Dorah, le prix du cacao n'est jamais arrivé à 1000 francs. Mais qu'on a André Sylvain, il dit que c'est arrivé à 1000 francs. Non, il dit que Drama n'a pas atteint le record de Gbagbo. Abidjan Point Net dit que Drama n'a pas atteint le record de Gbagbo. Donc toi, tu es plus fiable. C'est-à-dire, avec le tunnel qui est dans ton crâne là, toi, tu es plus fiable que Abidjan Point Net. Tu es plus fiable que l'Infodrome. Tu es plus fiable que Kwasi. Bah, il y a vu Kwasi Point Net aussi qui a parlé de ça. Toi, tu es plus fiable que André. C'est que toi, tu es un journaliste même. Ceux-là, c'est leur travail. Il y a longtemps, eux, ils sont là.
Avant même que Draman ne soit président, là. Attendez, on me dit de vérifier, de confirmer mon truc ici. TikTok. Je suis avec toi, oh. Tu me connais même. Avant que Draman ne soit là, là, Abidjan.net faisait son travail. Avant que Draman ne soit là, là, les André Sylvain là, faisaient toujours leur travail. Tu vois? Toi, tu dis c'est en 2016, c'est devenu 1000 francs. Tu vois? Et les gens disent que Draman n'a pas atteint le record de Gbagbo. Donc, tu es menteur, tu mens. Tu mens. Regarde, ça, c'est le titre que j'ai lu. Hein. Je lis maintenant le truc. Mieux copié, jamais égalé. Le président Ouattara, dans la fixation du prix du cacao, n'a jamais atteint le record du président Laurent Gbagbo qui a été fixé, qui a été de 1200 francs CFA le kilogramme de cacao. Toi, tu dis que en 2010, c'est arrêté à 1000 francs. Abidjan.net dit en 2010, là, Gbagbo a atteint 1200. Tu vois, tu es un menteur. Non seulement tu as un trou dans ton cerveau, tu as un tunnel, tu t'appelles Johnny le tunnel, mais tu mens. Tu mens. Il ment en allemand. Tu mens en allemand. Lui, c'est finesse. Qui connaît la partie là? Il ment. Tu vois, je m'amuse avec toi. Tu vaux rien. Tu as vu, non? Tu peux pas, tu es un menteur. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas pimpant. Et puis tu mens encore pour mettre dessus. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intellectuel. Tu n'as pas bac. Tu es court. Tu vois, tu as trop de... Il y a trop de bobos. Il faut diminuer un peu. Tu es court. Tu n'as pas bac. Tu es tombé. Tu es un traître. Tu es un fraliste. Tu vois? C'est trop, frère. Et tu ajoutes encore le mensonge. Et puis tu es court. Et puis tu es bancal. Faut te filmer entièrement. Faut marcher. Tu marches comme crabe. Tu marches comme ça. Tu es bancal pour mettre dessus. Tu es cool, tu es bancal, tu es fraliste, tu es dictateur. Tout le monde t'a fui dans ta Jossi gang. Tout le monde t'a fui. Philippe Gbagbo à Fraya. Dessin animé à Fraya. Hervé Djedjé à Fraya. Guy Conformis à Fraya. Même la fille que tu as, ma plan là, elle parle plus avec toi. On m'a dit ça. Vive l'amour est parti. Tu l'as obligé à détester Gbagbo. Tu es un dictateur. Un fraliste, un fuyard. Oh, voici mon université, voici mes yeux. C'est sur ça qu'il était attaché hier. Ça, c'est les détails. Moi, il était attaché sur le vrai discours. Hier, là, c'est sur le vrai discours qu'il était pris. Pourquoi tu viens pas dessus et puis tu parles des détails? C'est comme ça que tu vas me répondre là. C'est pas toi qui dis que si tu fais débat avec Kone Katina, tu vas l'ornir. Voilà un petit de Kone Katina, son petit, son foin. Tu fuis devant lui. Toi, tu peux faire débat avec moi. Imagine, pardon, on est devant plateau télé. Toi, tu vas faire débat avec moi. On est devant plateau télé. Toi, tu vas faire débat avec moi. Même ceux-mêmes qui me regardent, ils savent que je suis près que toi. Même les pro-ados qui sont pas dans les directs là, ils ne peuvent même pas commenter. Ils vont commenter comment? Tout ce qu'il dit là, c'est propre. Tu es derrière. Tu vois? Tu vois les retombées? Tu me fais pitié. Tu es la seule personne que je clash et puis ça me fait pitié. Selon moi, il n'est pas pitié. Hein? Et puis tu es la seule personne dont je parle et puis je ris. Même l'Adji Shérif, moi, il ne riait pas. Blé Goudé, moi, je ne ris pas. Tout ce que j'ai eu à parler d'eux, je ne ris pas. C'est toi seul, je parle de toi et puis je ris. Ça veut dire, c'est grave. C'est grave. Comme le gars là, il y a un gars en Guinée-Conakry là. Il s'appelle comment même? Oh, il y a un gars là. Oh, c'est lui, il aime dire ça. Il dit, monsieur le président, c'est grave. C'est grave. Qui peut me donner son nom ici là? Peut-être que vous ne le connaissez pas. Moi, je suis le procès. Malheureusement, le procès, il est bâclé. Hein? Ils ont fait appel. Ils veulent réqualifier les faits. Les avocats de la défense sont fâchés. Et puis, le procès s'est arrêté. Cette semaine, ils n'ont rien fait. Le procès s'est arrêté. Et les pères des familles sont en train de souffrir en prison. Est-ce que c'est les 11 là qui ont tué toutes les personnes au stade là-bas? Est-ce que c'est les 11 là? Jugez-les. Ils vont être situés sur leur sort. Mais vous les faites tourner. Le parquet même m'énerve même. Le parquet de Guinée là-même, eux, ils m'énervent même. Ils m'énervent même. Est-ce que vous êtes obligé de réqualifier cela comme fait contre l'humanité? La justice guinéenne là, ça dit les faits légers selon le code pénal là. On peut condamner à perpétuité là-bas.
Vous n'avez pas oublié de mettre ça comme fait comme crime contre l'humanité pour un procès qui a fait presque 2 ans pour fatiguer les parents des gens. Si le gars mérite 30 ans, donnez-lui 30 ans, donnez-lui 10 ans, 20 ans, ils vont quitter là. Nous-mêmes, on est fatigués de regarder le procès. C'est grave. Non, c'est pas Toumba. Il y a un gars là, c'est un gendarme. Oh, j'oublie son nom là. Il y a un gars là qui aime dire ça. C'est grave, c'est grave. Et puis les gens rient dans la salle. Donc Johnny, tu vois, Abidjan.net, on dit mieux copier, mais jamais égaler. Le président Ouattara, dans la fixation du prix, n'a jamais atteint le record du président Laurent Gbagbo, qui a été fixé à 1200 francs le kilogramme de cacao. Point. Ouattara a beau tenter de le défier, mais il n'y a jamais arrivé. Point. Son prix le plus élevé atteint 1000 francs CFA en 2020. Point. Tu vois, ils sont en train de lire. Hein? C'est pas moi qui ai écrit. Hein? Ils sont en train de lire. Ton mot dit. Je continue. Je vais finir le petit paragraphe là. À la veille, pardon, hein, mais le président RHDP est vite descendu à 800 francs avant de remonter à 825 cette année. Ça veut dire en 2020 là. C'est-à-dire, avant 2020, il est monté à 1000 francs. En 2020, il est descendu à 800. Et puis après, il est remonté à 850. C'est ce qu'il est en train de dire ici en bon français. On continue. À la veille de cette élection présidentielle, où toutes les opérations de charme sont permises, l'on a pensé que le chef de l'État actuel allait appâter les planteurs en fixant le prix à 1200 francs au moins. Mais Ouattara n'a pu relever le défi. Il n'a fait qu'un bonus de 175 francs CFA, donnant ainsi l'occasion aux planteurs de regretter amèrement le président Laurent Gbagbo. Lui, virgule, qui leur a remis la filière café-cacao. Oh bon, lui qui leur a remis la filière café-cacao. Point, je suis fatigué un peu. C'est pas facile. Avec Johnny, c'est pas facile. C'est sûr que ce nouveau prix n'aura pas d'effet escompté. Point. À savoir, séduire les planteurs à le voter. Point final. Ils ont fini. Voilà ce que les médias disent. Mais toi, à cause du tunnel qui traverse ton cerveau, Johnny le tunnel, toi tu dis que même en 2010, le cacao n'était pas à 1000 francs. Ça paraît de 2011-2012 que le cacao a atteint 1000 francs. Tu es un menteur. Tu as vu? Tu es un menteur. Je peux même continuer à chercher encore d'autres personnes qui ont parlé de ça. Regarde. Il y a qui encore? Oh, ça c'est pour hier là. Voilà. Afrique sur 7. www.afriquesur7.com a parlé de ça. Le mandat express.net a parlé de ça. Tu vois? Même TikTok a parlé de ça. Je ne sais pas qui a parlé de ça. TikTok, viens mettre ça, on t'envoie. C'est quoi ça là? TikTok a. Ah non, André, c'est ce que Bobo a dit la fois dernière qu'ils ont mis. Ok, donc il y a ici. Non, tu vois, les gens ont parlé de ça. Les gens ont parlé de ça. Tu es un menteur. Tu es un menteur, frère. Regarde, connexion ivoirienne. Je vais lire ça un peu pour toi. Connexion ivoirienne. Regarde, voilà ça ici. Le poste a été fait en 2019. Regarde ici. Connexion ivoirienne. Il faut lire le titre avec, même si c'est renversé, il faut lire quand même. Lisez avec moi. Le prix du kilo de cacao fixé à combien? 850 francs. TikTok, regardez. 850 francs. Regardez ici. 850 francs. Voilà ça ici. Tu as vu ou pas? Quand il est fini là, en bas de cette vidéo là, il y a mis tous les liens. Tous les liens que je viens de lire là. Comme ça, les gens vont cliquer pour aller voir d'eux-mêmes. Ça y est là. Connexionivoirienne.net. Le poste a été fait le 9-10e mois 2019 par Emma Assemi. Emma Assemi, c'est elle qui a fait le poste. En 2019, le prix était combien? 850. Je vais lire même son petit test. Le test, il est petit. Le Front Populaire Ivoirien, FPI, dirigé par le président Laurent Gbagbo, a indiqué que le prix garantit du kilogramme de cacao pour la campagne présidentielle est fixé à 825 francs. Non indicatif pour les prédécesseurs. Attends, il parle de qui, mais il parle de Babou Laurent. Ah, ok, ça y est en bas ici. D'accord, ça y est en bas ici. Bien que dubitatif quant aux nombreuses promesses politico-économiques du régime actuel, ça y est, Draman, on est d'accord. Le poste a été fait en 2019. Donc, quand Emma dit
régime actuel, il parle de drame. Par exemple, il y a un tunnel, donc il faut tout préciser. On continue. Les paysans, avec cette dernière annonce du prix de cacao, voient s'envoler l'espoir d'une amélioration de leurs conditions de vie à l'approche des élections électorales donc de 2020. Pour le parti de l'ex-chef de l'État, on parle de Bobo Laurent, le président Alassane Ouattara avait promis un minimum garanti d'au moins égal à 1000 francs CFA aux producteurs ivoiriens, quels que soient les alias des marchés du business du cacao. Et le pouvoir ivoirien se rend ainsi complice de la misère des producteurs du cacao. On parle de Dramane Ouattara. On continue. Le FPI qualifie de grosse déception le nouveau prix du cacao qui est fixé à 825 francs. Pour les valeureux paysans qui, une dizaine d'années auparavant, vendaient leur cacao au moins à 1000 francs CFA. C'est du français. D'après mon professeur de français, en troisième, il dit on ne dit pas français, on dit du français. C'est du français. Toi-même, quand tu lis là, c'est plausible. C'est de quoi on parle. On dit au moins 1000 francs. Draman est venu mettre ça à 825. L'espoir des populations. Est-ce que tu as fait au moins la littérature? Parce que là, maintenant, on lit maintenant. Tu mens en allemand. Tu mens en allemand que le cacao était à 900 francs en 2010. Ton mot diable met dessus. Menteur. Là. 1100 francs le kilo. Maintenant, prenons Ado. Ado, de 2010, de 2011 à 2012, 1000 francs le kilo. Mm-hmm. 2012-2013, 700 francs le kilo. Mm-hmm. 2013-2014. Mais pourquoi quelque chose qu'il a trouvé à 900? Il envoie ça à 700. Toi-même, tu as dit que de 2000 quoi là-même à 2000 quoi là-même là, 2010, 2000, il a dit quoi, 2010, quand Gogo était là, c'est bloqué à 900. C'est ce que tu as dit. Pourquoi lui, il vient trouver le prix du cacao à 900 et puis il fait descendre ça à 700? Tu n'as pas honte? Il a cassé le prix. Bon, on continue. 750 francs le kilo. 2014-2015, 800 francs le kilo. 2015-2016, 1000 francs le kilo. 2016-2017, 1100 francs le kilo. Le poste qu'ils viennent de lire, ils ont dit c'était en quelle année? En 2019. Le prix était à combien? 825 francs. Vous voyez comment il ment, non? Abidjan Pointnet a dit ça tout à l'heure. Connexion Ivoire a dit ça tout à l'heure. J'ai même monté le poste. Mais le 1er octobre 2020, le prix était à 825 francs le kilo. Lui, il a dit quoi tout à l'heure là? En 2000, combien c'est combien? Attendez, hein, regardez le mensonge. Regardez, écoutez le mensonge, hein, pardonnez, écoutez le mensonge. Écoutez le mensonge. C'était combien? 250 francs le kilo, monsieur Pagoulou là. 2002, 250 francs le kilo. De 2003 à 2005, 200 francs le kilo. 2006, oh, j'ai trop poussé. 250 francs le kilo. C'est pas grave. De 2008 à 2009, 650 francs le kilo. De 2009 à 2010, 900 francs le kilo. De 2010 à 2011, là où Ado a pris maintenant un peu là, 1100 francs le kilo. Maintenant, prenons Ado. Ado, de 2010, de 2011 à 2012, 1000 francs le kilo. 2012-2013, 700 francs le kilo. 2013-2014, 750 francs le kilo. 2014-2015, 800 francs le kilo. 2015-2016, 1000 francs le kilo. 2015-2016, 1000 francs le kilo. Tu vois comment tu mens? C'est en 2020 que Draman est monté à 825. Je ne sais pas où tu as pris tes chiffres là, mais il y a un problème. Il faut te revoir, il y a un problème. Tu es en train de mentir vis-à-vis comme ça. Tout est sur Internet, tu mens. Tout est sur Internet et puis tu mens vis-à-vis comme ça. Faut mentir, mon frère. Moi, j'ai déjà parlé de ça, je n'ai pas revenu dessus. Mens, faut mentir, ce n'est pas grave. 2016. Ça ne m'étonne pas parce que ton menton même, c'est un grand menteur. Donc, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Continue. 1100 francs le kilo. 2017-2018, 700 francs le kilo. 2018-2019, 750 francs le kilo. 2019-2020, 800 francs le kilo. 2020-2021, 1000 francs le kilo. 2021-2022, 1100 francs le kilo. 2023-2024, 1500 francs le kilo. Donc, voici un monsieur. Voilà. Hein. C'est lui que pour lui, là, on dirait, on s'en a acheté à Tchéke Garba. À Tchéke 100 francs, poisson 150. Voilà. C'est... D'accord. D'accord, j'ai compris. Je vais faire quelque chose. Donne-moi un instant, je vais vérifier quelque chose.
Je vais juste vérifier quelque... Donnez-moi juste 2 minutes, je viens. Bon, je ne retrouve pas ce que je voulais. Je voulais savoir le prix du cacao était à combien sous Bédier. Parce qu'il dit de 2000 en 2002, le prix était à 250 ou bien un truc de ce genre-là. Voilà, mais tu devrais savoir que Gbagbo venait d'arriver. Donc, sûrement que le prix qu'il a trouvé, c'est ça que tu as eu là. Mais je cherche ici, je ne vois pas pour Bédier. C'était combien pour Bédier, je ne vois pas ça ici. Donc là, tu peux toujours mentir. Mais je t'ai attrapé quand même. Tu as menti sur plusieurs points. Voilà, tu as menti sur plusieurs points. Et moi, je t'ai attrapé. Il faut continuer, il faut continuer encore. C'est-à-dire que pour lui, là, c'était en 200 et 250. 200, mais toi, 250. Mais c'est seul. Mais tu dis 2002. 2001, vous avez essayé de le faire tomber. 2002, vous avez fait rébellion. Il a quel temps pour aller augmenter le prix du cacao? Il n'avait pas encore le temps à cette période-là. Donc, le prix qu'il a trouvé, c'est le prix qui va continuer avec lui. C'est quand il a eu un peu de temps, quand Guillaume Soro est devenu rebelle, est devenu premier ministre, qu'il a eu un peu de temps. C'est là qu'il est passé de 250 à 1100 francs. Tu vois pas la différence? Ton drama, il a déjà fait une différence comme ça. Si aujourd'hui c'est arrivé à 1500, là, c'est parce que dans les autres pays, c'est vendu à 4000, 5000. C'est pourquoi il a fait l'effort de mettre à 1500. Et c'est pourquoi Bobo Laurent a critiqué cela. Parce que c'est même une foutaise pour les planteurs. TikTok, faut tapoter, on est à 17 000. Tapoter, 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 TikTok, tapoter, tapoter seulement, chers camarades. Aujourd'hui, la personne ne m'a donné des fleurs, hein, mais ce n'est pas grave. Tous les jours n'est pas dimanche. Mais tapoter TikTok, toucher, lui là, il ne va pas les laisser. Tous les jours n'est pas dimanche. Aujourd'hui, Facebook, il n'y a pas assez de personnes. Demain, il y aura beaucoup de personnes. YouTube, c'est bon, 400, 500, 400, ça vacille là, c'est bon. Mais Facebook, ce n'est pas du tout bon. Mais ce n'est pas grave. Il est 17h56, c'est normal. Il est très tard chez vous, c'est normal. Mais YouTube, au moins, il y a toujours 400 personnes. C'est bon, 400, c'est beaucoup. Il n'y a pas à me décourager. Demain, je suis là encore. C'est-à-dire, tu sors, je sors. Mais seulement sur Gbagbo. Si tu sors sur quelqu'un d'autre, tu ne me verras pas là-bas. Voilà. Mais à chaque fois que tu vas faire un contenu sur Gbagbo, sur Gbagbo Laurent, moi, je vais sortir. Je vais faire un contenu sur toi. Non, pas sur toi. Je vais faire un contenu pour contredire ce que tu dis. Pour contre-attaquer. Tu vois un peu, non? C'est parce que tu as beaucoup insulté. Nadi. C'est pourquoi hier, je suis rentré un peu dans toi. Jusqu'à tu as enlevé lunettes pour me montrer. Pour me prouver que tu n'es pas maître James. Moi, je pensais que tu as fait Babadji. Voilà. Sinon, tu restes dans politique, on reste dedans. Mais tu vas dans un jus. Moi aussi, j'ai plongé à toi. Je suis prêt à toi. Moi, je ne vais pas t'insulter. Moi, je n'insulte pas trop comme ça. Hein. Mais je vais me moquer un peu d'une manière ironique. Là. Mais tu es pathétique. Voilà. Et tu fais rire. Tu es un guignol, au fait. Un guignol. Voilà le nom qui va avec toi. Comme il va te donner beaucoup de noms, on va s'habituer d'abord à Johnny le tunnel. Parce que ça fait moins de 24 heures qu'on a créé ça. Après ça, je vais créer encore un autre nom. Tu auras beaucoup de noms. Tu ne me connais pas. Moi, je crée des noms. On me connaît ici pour ça. La dronistification, c'est moi qui ai créé. Il reste un peu, ça va rentrer dans le dictionnaire français. Voilà. C'est moi qui ai créé ça. Ça veut dire prendre drone et puis bombarder quelqu'un. Moi, il appelle ça la dronistification. C'est moi qui ai créé. Il reste un peu même bienvenu, ton ça va utiliser ça. Il a envie d'utiliser, mais il fait beaucoup d'efforts sur lui. Mais c'est quand même une télévision nationale. Voilà. Nous, on parle et puis les gens rectifient les émissions. Et tu es au courant de ça? C'est moi qui ai dit à bienvenu ton ça. Il dit, faut préciser les dates. Sinon, au départ, là, il dit ce jour. Et puis, il commence à parler. Il dit, non, il faut mettre les dates. J'ai fait un direct, deux directs, trois directs, quatre directs. Juste, il a commencé à mettre les dates. Il y a longtemps, même, il m'a écouté. Il met les dates. Tous les bouclamés m'ont acclamé comme ça. Voilà. C'est moi qui ai fait ça. Au Niger. J'ai dit cela, il vous fatigue. Si vous fatigue là, déplacez vos mosquées et puis allez-y prier. Une semaine plus tard, les musulmans sont allés prier devant la base. C'est moi qui ai proposé ça. Tout le monde le sait ça ici. Moi, je suis un créateur, je crée. Tu vas apprécier. Tu auras beaucoup de surnoms. Toi-même, tu as créé un autre surnom, non? Pour toi, on ne va pas retenir. C'est pour moi, ils vont retenir. Ils vont retenir. Espèce de tuyau crânien. Tuyau crânien. Pardon. Un tuyau crânien. Il y a un tuyau dans ton crâne. Johnny le tunnel. On y va. Qui disent que les planteurs étaient heureux quand ils étaient aux affaires. Les gars, voyons, regardez un peu la vérité en face. Là, mon grand-père a plus de, on dit c'est 150, si je ne me trompe pas, hectares de cacao. Wallahi Bila, autant de Gbagbo Laurent était multimillionnaire. Actuellement, même, ils sont tellement découragés qu'ils ont changé. On dirait mon oncle, il a pris au moins combien, on dit 50 hectares, il est en train de faire EVA. Avant que je ne vienne ici, c'est ce que j'ai entendu. Comme je ne partais pas au champ, mais c'est ce que j'ai entendu.
Ils ont changé. Parce que Kakao était tellement tombé, ça a éveillé, ils ont commencé à faire. Tu comprends un peu, non? Voilà. Au temps des Gbagbo, là, il y avait l'argent. Les gens avaient l'argent. Les planteurs avaient l'argent. Si c'était faux, là, les planteurs allaient venir pour parler. Pourquoi depuis là, ils ne parlent pas? Donc, tu veux dire qu'au temps des Gbagbo, les planteurs n'avaient pas l'argent? Entre Gbagbo et puis Dramane Ouattara, qui a profité du Kakao? C'est quand même. Pourquoi tu es comme ça même? Sois un peu véridique un jour, Johnny. Sois un peu véridique un jour, pardon. Et on va attraper un mouton, on va enlever cervelle là. Et puis on va venir mettre ça chez toi. Je ne sais pas s'il y a opération de cerveau, mais je vais me renseigner. Moi, il y a un proposé. Il y a un proposé pour qu'on puisse t'aider. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais toi, ton cas, il est très grave. Même le mouton, il sait que quand il n'y a pas berger là, il sait qu'il sait au moins comment marcher. Il marche seul, il prend ses responsabilités, je veux dire, le mouton. Mais toi, tu ne prends même pas tes responsabilités. Tu es plus qu'un mouton. Il y a un problème. Il faut te revoir, frère. Je vais me renseigner, est-ce qu'on peut faire greffe de cerveau? Ils vont arriver, pour toi, il y a un gros trou, il y a un tunnel. Un être humain ne peut pas avoir tunnel dans le crâne. C'est compliqué, ça. C'est pourquoi tu oublies la réalité de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On continue. Faut pas se voiler la face, regardez des menteurs, un menteur. Et puis dit en 2002, le prix du cacao a grimpé. Ça a grimpé comment? Déjà, c'est après là. Ah, d'accord. Bon, c'était moi, combien? D'accord, je vois. C'était combien? Ah, oh, c'était a combien? A grimpé de 6 francs. Mais c'est grimpage. Mon frère, c'est grimpage. De la manière que tu grimpes sur ta femme blanche vieille là. C'est comme ça que Babou Lora a fait grimper de 50 francs. Mais vous avez fait rébellion. Les Toubabous ont fermé les banques. Il n'a qu'à prendre la hand de ton grand-père pour faire grimper ça à 1000 francs. Les Sorogum étaient dans ses fesses. Les gens faisaient rébellion sur lui. Donc il a grimpé de 50 francs. Tu penses qu'il a grimpé comment? Comme tu grimpes là, tu es au cou. Tu es tellement court. Quand tu te couches sur là, vous n'avez pas la même taille. Ça dit, toi, ton tronc là, ça y est sur ses mollets. Donc toi, tu grimpes fort pour aller framponner la vieille blanche. Mais pour donner les diables grands détails, il a qu'à grimper comment? Sorogum est dans son derrière. Les gens ont divisé le pays. Tu as oublié ça? 2002, il est parti pour chercher l'argent, pour prendre crédit, pour grimper. Vous l'avez fait rébellion derrière lui. Il n'a même pas eu le temps de négocier avec les Italiens. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a grimpé comment? Comme toi. Adama. Lui là, quand il se couche sur sa femme là, c'est comme ça. Ça. Voilà. Ça dit, voilà, on suppose que voici le beau bras de la femme, le beau bras. Non, voilà, le beau bras de la femme, comme une cour, hein, pour où qui est long. Hein. Lui, quand il se couche, il est arrivé comme ça. Voilà où il arrive. Donc, il est obligé de grimper fort pour que les deux hanches là se regardent. Comme ça, il va faire plou, 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 plou. Maudit la cour là. Monsieur Ignam. Monsieur Glissi. Il a augmenté de 50 francs. Il a augmenté de combien? Il est allé prendre crédit pour augmenter. Vous avez fait rébellion. Il a laissé discussion puis il est rentré. Il n'a pas eu le temps de grimper. De 300 combien, il est monté à 1100 francs. C'est pas grimpage? C'est pas grimpage? Espèce de tunnelier. Tunnel crânien. On continue. Franchement, faut respecter les Ivoiriens. Alors, chers amis, on va aller en profondeur aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas cela. Ah, alors, Johnny, mais 34 minutes de direct, tu n'es pas encore allé en profondeur? Ah, bon, faut rentrer, faut aller. Mon téléphone est déchargé aussi. Hé, hey, Johnny, non, je vais pas te laisser aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait 100 heures, 100 heures sur Internet ici. Attends, il y a le prendre. Oh, tu me connais pas où? Attends, il vient, je suis avec toi. Il prend mon câble, je suis avec toi, il vient. Je te laisse même pas. Oh, il te laisse pas. Mon téléphone est déchargé, non. Il te laisse passer, c'était TikTok qui était déchargé, il allait couper TikTok. Mais c'est YouTube qui est, c'est Facebook qui est déchargé. Même si aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes, mais je vais laisser, demain les gens vont regarder. Tous les jours n'est pas dimanche, moi ne me décourage pas. Attends, il est chargé, puis on va avancer. Donne-moi un instant, il est chargé, ça va avancer. Voilà. Ce câble-là, il n'est pas trop bon. Je ne sais pas si ça a chargé, mais... Hé, hey, comment il a déposé le téléphone là maintenant? C'est ça maintenant le problème. Comment il a déposé le téléphone là où... Je vais voir ici. Là. Il peut déposer ça ici.
Tu as vu, Johnny, tu me fatigues. Tu me fatigues, voilà. Eh, c'est bon comme ça, non? Bon, vous allez me regarder dans... Vous allez me regarder comme... Je représente Johnny pour vous, hein. Hein? Aujourd'hui, je représente Johnny pour vous. Donc, vous allez me regarder dans le crâne. C'est-à-dire, je suis court. Ben, j'ai mis le téléphone en haut. Donc, je suis court. Donc, vous me regardez. Vous regardez ma tête. Mm-hmm. Je suis devenu Johnny pour vous, Facebook. Donc, regardez-moi comme ça. C'est mieux que zéro. J'ai fait comme ça. Vous voyez mon visage. Mes cheveux sont mélangés. Voilà. Donc, regardez-moi comme... Moi, je représente Johnny. Et vous représentez Babo Laurent. Donc, regardez-moi. Oh, on y va, c'est parti. On y va. Oh, mais c'est trop haut. C'est trop haut. Je ne sais pas comment placer le téléphone. Bon, regardez-moi comme ça, c'est pas grave. On y va. Vous regardez une série de vidéos. Allons. Pour montrer aux gens que le prix à la bourse aujourd'hui que vous connaissez n'a pas été le même prix dans les années antérieures. Tout à l'heure, j'ai parlé des pètes qui connaissaient l'État et qui parlaient pour l'État, qui pleuraient pour l'État. On va aller enquêter, vous allez voir qu'il y a des pays. Aujourd'hui, on dit oui à Madagascar. À Madagascar, Madagascar connaît un essor parce que le prix du cacao là-bas est tellement élevé, comme au Cameroun, etc. etc. D'accord? Mais il fut un temps où ça pleurait à Madagascar. Mais jamais les paysans ivoiriens ont pleuré. Ah oui, c'est ça aussi la réalité. Donc on va aller enquêter, parce qu'il faut enquêter. Lui, il faut enquêter. Parce que si vous le dites que le cacao là aujourd'hui, ça a grimpé et que c'est le paysan Ouattara le fautif, cela sous-entendrait que, mais ça veut dire que comment on appelle ça, à Madagascar, ils ont toujours été heureux. Voilà, les gens ne se sont jamais plaints. Parce que là-bas, le prix du cacao connaissait un essor considérable tout le temps. Voilà la réalité. Chers amis africains, pays de Côte d'Ivoire, on va aller enquêter parce qu'il faut qu'on enquête, c'est important. Alors, je vous présente ici une vidéo et après, je pousse par la question. Vidéo. Voilà. C'est parti. Vidéo. Madagascar n'est pas très connu dans le monde pour son chocolat. Mais les experts savent que Madagascar produit du cacao de haute qualité. Produit à Ambajana, dans le nord de la grande île, le cacao malgache pousse sans engrais chimiques. Du cacao bio, ces gousses de cacao aident à produire certains des meilleurs chocolats dans le monde. Mais la plupart des propriétaires des plantations de cacao se plaignent de leur exploitation par de grandes firmes internationales. Illustration, avec ce producteur de cacao, Cyril Ambarahova, qui dit avoir perçu 70 centimes d'euros, environ 460 francs CFA par kilogramme de cacao vendu récemment. Cacao plus rentable plus que la vanille, parce que cacao ça pousse toute l'année. Mais elle vient mal, si elle n'avait pas cacao, c'est difficile. Hein. La majorité des habitants de cette région travaillent pour les petites propriétaires ou dans de grandes plantations, mais peinent. Johnny, tu dis que Bobo, c'est un super menteur. Bon, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore vu le mensonge là. Tu entends de nous faire, tu nous perds. Et puis, pourquoi tu peux faire une vidéo de 59 minutes? Tu sais que moi, je prends ton temps, plus mon temps, je mets ensemble. C'est pourquoi mes vidéos sont longues quand je parle de toi. Tu vois, les vidéos atteignent deux heures et même plus. Parce que je te laisse parler, je te prends au mot. Donc, il faut faire un peu de manière courte. Comme ça, moi, je vais être enchiqueté. Parce que ça, c'est très, très long. On est à 35 minutes. Tu es en train de montrer un documentaire. À quel moment on va évoluer? Il te dit que Babo a menti. Tu as oublié de partir prendre les documentaires de l'Afrique du Sud? Ou bien, je ne sais pas, de quel pays pour nous fatiguer? Faut nous démontrer où il a menti, là. Bon, je vais faire passer un peu. Moi, je n'ai pas regardé le documentaire, là. Parce que vous n'êtes pas planteur. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe sur la bourse du cacao. Donc, quand le prix il est fixé à l'international, l'État est comme la garantie. Pour les paysans, l'État de Côte d'Ivoire se porte comme garant pour les paysans. Et puis tu vois, tu n'es plus inspiré. Coucougnon le couillon, tu n'es plus inspiré. Ça, c'est un autre prénom qu'on peut prendre en coin. Hein. Coucougnon le couillon. Ça sonne bien, non, les gars. J'ai dit, il a te donné beaucoup de surnoms ici. Et puis, merci encore à Mami. Voilà, Mami Toku. C'est ça, non? Mami Taku. Merci. Hein? Non, c'est pas Mami Toku Taku. C'est merci à Wakuma. Voilà, Wakuma. Coucougnon le cuillon. Il est là, ce qui parle là, ce qui joue là, c'est un contenu. Il se montre lui-même. Regardez. Lui-même, il se montre encore. Tout ça pour nous perdre le temps. Toi-même, tu prends. Mais toi-même, tu es là. Non, faut parler toi-même. Tu prends encore toi-même ta propre vidéo, tu montres. Tcheba, faut parler pour toi-même. Toi-même, tu es derrière là, faut parler, tu nous perds le temps. Oh. Procède à ce qu'on appelle une vente anticipée. Donc, voyez-vous, cette année. Le prix du cacao sur le marché.
à la bourse a augmenté. Vous allez voir que l'année prochaine, en fonction du prix qui a augmenté cette année-là, l'État va augmenter le prix du cacao en Côte d'Ivoire. Merci. Mais c'est tout ce qu'on demande. Les critiques que le président Laurent Gbagbo a apportées là, en quoi est-ce que c'est en contradiction avec ce que tu viens de dire ou même ce que tu avais dit que tu viens de représenter? Lorsque le prix augmente à l'international, mais automatiquement l'augmentation se reflète sur les différents pays. Mais comme vous êtes des maudits au RDR, pendant que les autres augmentent à 4 000, vous augmentez à 3 000. Voici les critiques que nous on apporte au PPACI. On n'est pas d'accord. C'est ça le vrai point. On n'est pas d'accord. Le Cameroun n'est pas le premier producteur du cacao. Pourquoi là-bas on achète à 4 000 et vous, vous ne faites même pas à 2 000 pour que ça soit à moitié au moins. Mais vous faites à 1 500. C'est ça que nous critiquons. Bon, il faut donner tes arguments, je vais voir. Voilà. Ça n'a pas augmenté. J'ai fait cette vidéo-là et après les ministres... Ça n'a pas augmenté, mais c'est ce que je viens d'expliquer. Ça a augmenté. Mais l'augmentation n'est pas proportionnelle à l'augmentation sur le marché international. Tu vois, c'est pas possible. C'est un vol même à la rigueur. C'est pas bien. Le prix augmente, la demande est forte. Et vous, c'est maintenant, vous arrivez à 1500. Pendant que au Cameroun et dans les autres pays, le prix grimpe. C'est ça que nous critiquons. Donc, en quoi est-ce que... Regarde, nous sommes vers la fin de ta vidéo. En quoi est-ce que le président Laurent Gbagbo est un menteur? Tu n'as pas encore démontré. Tu as mis Gbagbo super menteur. Ou bien tu blagues les gens pour avoir des vues, pour manger monétisation. Tu n'as même pas encore démontré que Gbagbo a menti. Il faut démontrer, on va voir. Toi, tu dis que tu vas déconstruire Gbagbo Laurent. Ça fait des années que tu le déconstruis. Le monsieur Dja, la marée bleue. Tu n'as pas dit que tu vas prendre 30 secondes pour déconstruire Gbagbo Laurent. Tu nous as dit ça, non? Mais depuis là, tu n'as pas encore réussi à déconstruire le monsieur. C'est pour venir montrer les anciennes vidéos. Les anciennes vidéos. C'est ça que tu es venu montrer. On fait quoi avec on connaît tes anciennes vidéos. Il faut montrer les anciennes vidéos là. Il faut montrer ça où tu parlais de Draman pantalon sauté. Il faut laisser ça là. Tu as dit que tu allais déconstruire le monsieur en 30 secondes. On est en 2024. Ça fait plus de 5 ans que tu l'insultes. Plus de 5 ans que tu le vilipendes. Le monsieur est peint, il est là. Maintenant, c'est ça. C'est sur sa femme que tu es arrivé. Tu es un plaisantin. Même moi-même, tu as peur de moi. C'est pourquoi tu vas descendre. Tu as peur de moi, frère. Je n'ai jamais fait clash avec quelqu'un. Mais pour toi seulement, là, je suis prêt. Faut essayer, tu vas voir. Moi, je parle de toi, mes vidéos sont là, je ne supprime rien. Toi, tu parles. La première fois que tu as parlé de moi, tu as supprimé. Mais pourquoi? Tu as peur parce que tu as vu que j'ai partagé. Donc, j'ai vu. Tu as vu que j'ai vu. Donc, je vais réagir. Je vais répliquer. Et tu connais ma force de frappe. Donc, ça t'a effrayé, tu as supprimé. Gars, j'ai téléchargé. Demain, je suis avec toi. Je vais répondre à cette vidéo-là. Et je vais montrer tes lacunes à tes suiveurs-là. Et puis aussi à mes suiveurs. Et chacun va choisir. J'ai téléchargé. Tu es mort dans le film. Mais tu as menti trop dans cette vidéo-là. Comme tu ne sais pas prononcer vidéo, il faut dire déo. Les Africains comprennent. C'est comme ça que les gens disent déo. Déo. Là, c'est facile. Maudit, là. Il a fait passer encore. Moi, il n'y a pas le temps. On est déjà à 93 minutes de direct. Le direct est déjà très long. Et il n'a rien dit de concret. Il ne m'a même pas serré le cou. Il a donné les prix. Je suis parti sur Internet. J'ai démontré que c'est un menteur. J'ai donné mes sources. Lui, il n'a même pas donné ses sources. Il a pris un PDF, il entend des lits. Mais tout le monde peut modifier un PDF. Il faut montrer les sources. Il faut prendre un site internet où tout le monde peut aller vérifier. Tu prends un PDF. Il faut m'envoyer le PDF, viens voir. Je saute encore. Je plonge encore dans ta déo. Respectons ce que nous avions dit. Tu vois, non? Tu vois. Toi, c'est-à-dire, sans vide, sans déo des gens. Regardez, sans montrer. Tant que tu ne montres pas les documentaires, tu ne peux pas faire un contenu. C'est la preuve que tu es nul. C'est un gros nul qui est là. Il ne peut pas faire contenu. Il va montrer toutes les vidéos de YouTube pour faire contenu. De 35 minutes, j'ai plongé à 44 minutes. Tu entends de montrer encore quelqu'un qui parle. Quand est-ce que toi-même tu vas parler? Tu entends de montrer quelqu'un qui parle encore. Voilà quelqu'un qui entend de bavarder encore ici. Tu vaux rien même. Tu vaux rien. On va écouter quand même. Pas peut-être défricher la forêt primaire pour pouvoir planter de nouveaux vergers.
je pense bien que dans les années à venir, nous allions nous retrouver peut-être à plus de 1000 et quelques. Donc, dit que nous sommes dessus maintenant, vu l'effort que le président de la République a fourni, vu le prix qui a chuté sur le marché international, qui a fait l'effort de pouvoir maintenir le prix à 700 francs pour les producteurs, d'accord. Je lui dis merci. D'accord. En espérant que l'année prochaine, les prix vont monter. L'annonce. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà, Ado. Vous voyez, c'est-à-dire que quand il met un prix là, ça veut dire que de l'autre côté là, c'est le désastre total. Ok. Mais en ce moment là, les Camerounais là, bon, ils pleuraient. Oui, je te comprends. Moi, j'ai à répondre aussi. Ce qu'il est en train d'essayer de démontrer, c'est même si on a pioché, mais je comprends. Moi, je suis intelligent. Je n'ai pas un tunnel dans mon crâne. Donc, je n'ai même pas besoin de suivre tout le processus pour comprendre. Dès que le monsieur a fini de parler, que lui il a commencé un peu, j'ai compris ce qu'il veut dire. Je vais vous expliquer pour ceux qui n'ont pas compris. Je sais que vous n'avez pas de tunnel comme lui, mais quand même, comme je dois faire un contenu, il faut que je m'explique. Moi, je ne m'attarde pas sur les propos des gens. Moi, mais je parle. Je suis là, je suis vivant. Vous me voyez là pour faire ma défense, là, qui monte des déos. Je ne monte pas des déos. Pour faire ma défense, là, je ne monte pas des déos. J'ai dit ce que je connais et ce que je sais. Si j'ai besoin de renseignements, je tape sur Gouligoul. Les écrits sont mieux que les propos. Parce que les gens qui parlent là, c'est les pro-ado. Quand tu prends Abidjan.net, eux, ils font leur travail. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je viens pour dire, ce qu'il veut dire, il dit que lorsque le prix baisse sur le marché international, automatiquement, les prix baissent un peu partout, je suis d'accord. Et il veut démontrer que M. Alassane Dramane Ouattara Ado, lorsque les prix ont baissé à cette période-là, à 700, lui, là, non, quand le prix, lorsque les prix ont baissé, pardon, lui, il a maintenu son prix à 700 quelque chose en Côte d'Ivoire, malgré que le prix a baissé à l'international. C'est ce qu'il veut démontrer. Nous, maintenant, on dit, si lui, il arrive à maintenir les prix, le même prix, pendant, lorsque les prix baissent, ce n'est pas lorsque les prix montent qu'il ne veut pas monter. On est d'accord? Lorsque les prix baissent à l'international, lui, Drama, le multimilliardaire, il maintient le prix qui est en Côte d'Ivoire. Donc, quand les prix grimpent et que le Cameroun, comme il le dit tout à l'heure, le Cameroun, c'était le désastre. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est 4 000 francs. Mais c'est que chez nous, ça doit être 12 000. Puisque c'est Ado qui est au pouvoir. Mais lui, quand les prix baissent, il maintient les prix. Et quand les prix montent, il ne monte pas. Il monte légèrement, avec foutaise. C'est ça que nous dénonçons. Toi, tu n'as rien dit. Mais là, où est le mensonge de M. Babo Laurent? Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore vu le... Tu as mis Babo super menteur. Mais je n'ai pas encore vu le mensonge de M. Babo Laurent. Je n'ai pas encore vu ça. Peut-être ce que je vais faire, je vais écouter tes contenus hors caméra et je vais prendre les minutes ou les secondes, je vais noter les secondes où quand même tu me mets pied au mur. Comme ça, je vais plonger dans ces secondes là pour te répondre. Parce que tout ce que tu fais à côté là, c'est de la pure comédie. Je ris. Tu as fait, ils vont me prendre comme un gars qui aime s'amuser en direct. Attends, je suis trop sérieux pour ça. Donc pour ne pas toujours rire, toujours m'ennuyer là, je vais regarder tes déos là, tes vidéos là, j'ai regardé ça hors caméra et je vais prendre l'essentiel. Ce qui peut me faire réfléchir là. Quand je viens, je te réponds et puis on laisse les détails. Puis il y a trop de détails dans tes contenus. C'est trop faible. TikTok, merci, on est à 20 000. Merci beaucoup, chers camarades. Continuez de papoter. On est à 20 000, c'est pas petit. Continuez de papoter, chers camarades. YouTube, on est presque à 100 likes. Hey, YouTube, vous aussi. On est presque à 2 heures de direct. Il n'y a même pas 100 likes. Attends, vous êtes toujours des centaines, malgré qu'il est 17h18 en Californie. Ça veut dire les tailles, les soirs, minuit, peut-être 23h, peut-être 1h du matin, je ne sais pas. Essayez de liker. Ceux qui ne savent pas comment on like, regardez en haut ici, il y a 3 petits boutons. Cliquez sur les 3 petits boutons pour liker, chers camarades. On y va. Voilà. Aujourd'hui, vous entendez, quand il y a, parce qu'il y a une hausse du prix, tout le monde crie, on fait la récupération, Ado est mauvais. Mais et toutes les années où Ado a aidé les planteurs, où le prix était bas sur le marché international. Mm-hmm. Et puis Ado aidait les planteurs. Vous étiez où? Quand le gouvernement les aidait, puis eux-mêmes. On était à la CPI, frère. On fait comment? On était à la CPI. Vous nous avez envoyé à la CPI, non? On était à Odiené, à Korogo. C'est là-bas qu'on était. Et le président l'a dit. Le président a dit que tout le monde entier savait où il était. Pourquoi tu nous demandes on était où? On était à la CPI. On n'a pas vu les aides que vous avez apportées aux planteurs. Quand on a été libéré, vous cassez les maisons. Les gens dorment dans les cimetières. C'est ce que nous, on retient. Aide que tu dis, Ado a fait là. Nous, on n'a pas vu ça. On était à la CPI. On était préoccupés par rapport au procès. Vous envoyez des témoins, hein,
qui ne connaissaient pas leur village. C'est ça que nous on regardait à la télé. On n'avait pas le temps de voir les milliards que M. Addo partageait aux Ivoiriens. On n'avait pas ce temps-là. Nous, on était à la CPI. Tu vois un peu, non? Voilà. C'est ça la triste réalité. On était à la CPI. On n'était pas là, frère. Donc, désormais, si on fait une politique, ne nous envoyez pas à la CPI. Comme ça, on va voir. Mais quand vous nous balancez à la CPI, on ne voit pas les milliards que vous partagez aux gens. Maintenant qu'on est sorti de la CPI, on est en Côte d'Ivoire, c'est les maisons vous cassez. Déguerpissement n'a point fini. C'est pourquoi on n'a pas vu les milliards que Addo a distribués d'après toi. Non, on y va, on continue. Témoigner là, vous étiez où? Quand le gouvernement connaissait des pertes énormes, vous étiez où? On était à la CPI, frère. Bien sérieux là. Quand il y a ça quand les gars de pouvoir, allez vous entraîner encore. Hey, allez vous entraîner encore. Nous, on est là. Ils ne bougent même pas. Ils vous disent en même temps. Et puis, les candidats. Voilà, c'est ça le vrai point. Et puis, pourquoi celui qui n'a pas, celui qui est RHGPP, tout de ça, il faut quitter de nous aussi. Chers amis africains, pays de Côte d'Ivoire. Maintenant, on va faire ce qu'ils appellent d'après eux-mêmes. Bon, moi, je n'ai pas étudié ce thème-là parce que c'est. Voilà. Scandale à la filière café-cacao. Bakolora trempé jusqu'au cou. Bakolora, voilà, c'est moi. Vous voyez un peu, non? Scandale à la filière café-cacao. Laurent Gbagbo trempé jusqu'au cou. Vous voyez ou pas? Mais voilà, je vais lire l'article. Et je donne la source à tous ceux qui sont là, qui m'écoutent. Ah, quand c'est comme ça, tu donnes la source. Mais quand tu mens là, tu ne donnais pas la source. Tu as menti sur le prix, tu n'as pas donné la source. Maintenant, comme il a vu un article quelque part, on dirait c'est Abidjan.net. Il a vu un article là-bas. Là, il dit il va donner la source. Il faut donner source là, mon frère. On va aller lire. OK. Vous allez sur Google, vous tapez Abidjan.net. Et vous tapez scandale du café et du cacao. Bakbo Laura trempé jusqu'au cou. D'accord. L'article est là. Je vais voir. Est-ce que lui, il a cœur pour dire qu'il va déposer plainte contre Abidjan.net? Faut la poursuivre pour diffamation? Non, faut lire. Faut la poursuivre pour diffamation. Faut lire d'abord. Il n'a pas cœur de la poursuivre. Faut lire parce d'abord. Que tu es un voleur. Un vrai voleur. Voilà la réalité. D'accord. Chaque Amas africain peut le Côte d'Ivoire. Faut lire, on va voir. Permettez-moi de lire l'article. Faut lire. Alors, c'est parti. Ah. Pourquoi tu enlèves tes lunettes? Tu vois? Il a enlevé ses lunettes. Regardez. Il a enlevé les lunettes. Regardez. Tu vois? C'est pourquoi je te dis que c'est anormal. On était dans une maison qui n'est même pas éclairée comme la mienne. Là, c'est bien éclairé qu'on voit très bien les détails de mon visage. C'est-à-dire, moi, si j'ai mes lunettes, je peux pouvoir lire parce qu'il y a lumière qui me frappe. Mais tu es dans une maison, tu es dans la chambre de ta fille. Ce n'est pas éclairé. Votre maison est touffue comme ça. Ce n'est même pas aéré. Maintenant, pour lire l'article, tu as névé Renoir là. Parce que tu vois, quand il te traitait d'aveugle hier, tu m'as répondu aujourd'hui pour dire voici mes yeux, je ne suis pas aveugle, je n'ai pas. Tu m'as répondu. Mais c'est à cause de tout ça là, tu n'es pas normal. Maintenant, pour lire, maintenant, tu enlèves les lunettes. Pourquoi tu enlèves? Si tu peux voir. Ah, donc tu parles dans le noir. Ah, je comprends, tu es bête. Vous comprenez maintenant pourquoi il parle de manière bête et puis il réfléchit. Papa, il est dans le noir. Essaie de fermer tes yeux. Tu ne peux pas bien réfléchir. Par exemple, tu entends les réfléchir. Qui vient derrière moi? Qui vient à côté de moi? Et est-ce qu'il y a quelqu'un à serrer mon cou? Donc, c'est pourquoi il est perdu, il est dans le noir. Désormais, il faut enlever les lunettes, tu vas parler, comme ça tu vas bien voir les détails. Tu vois, moi, souvent, il me lève, il prend mon baou, il me regarde à côté. Je suis prêt à tout moment. Quand il voit un petit bruit, entend un petit bruit, je me lève, parce que je vois clair. Tu vois, mais tu mets lunettes, tout est noir. Je comprends pourquoi tu ne réfléchis pas bien. Pour lire l'article, maintenant, tu as enlevé les lunettes noires. Tu vois, non? C'est ça le vrai point. C'est une sorte de drogue. Tu mets les lunettes noires comme ça, tu ne vois pas les commentaires, puis tu cries seul dans ta maison là-bas. C'est ça la triste réalité, chers camarades. TikTok et YouTube et Facebook, vous êtes là? Attends, ouais, ça fait combien de pourcents même? Ok. Ok, ça fait 28%. C'est là qu'il a chargé un peu, et puis après, il a enlevé pour vous déposer. Je suis avec lui. Minimum 2 heures. C'est comme ça. Je suis avec lui. On y va. Ouvert le 8 septembre 2010 au tribunal correctionnel du plateau, le procès des ex-dirigeants de la filière café-cacao est incarcéré depuis. Est-ce que tu as entendu le nom de Gbagbo Laurent là-bas? Le procès des ex-dirigeants de la filière café-cacao. Mais tu as mis en commentaire Gbagbo Laurent, super menteur. Tu n'as pas dit ses compagnons. Gbagbo Laurent était président de la République. Il n'était pas dans la filière café-cacao.
Lui-même, il a dit à la CPI, il dit, moi, j'ai eu peur parce que je pensais que mes militaires, mes généraux et mes collaborateurs ont posé des actions dont je ne suis pas au courant. Quand on m'a dit que j'ai viol, j'ai pas dit le mot là, j'ai viol les gens, ou bien j'ai cassé la banque, j'ai dit à mettre la titre, il n'y a rien dans le dossier, on sera acquitté. Tu vois un peu, non? Pourquoi ils ont acquitté Gbagbo Laurent? Parce qu'il n'a rien fait, puisque c'est lui on juge. C'est son nom que tu as mis ici, tu dis le super menteur. Pourquoi tu parles de ses collaborateurs et des ex-dirigeants de la filière Café Cacao? C'est ça. Quand nous on dit Draman est menteur, on ne parle pas de ses collaborateurs, on parle de lui-même. Il dit, je ne serai pas candidat en 2020. 2020, il devient candidat. Il dit, je vous promets, donnez-moi 5 ans, je vais vous donner maison, chacun. Il casse les maisons. C'est pourquoi nous, on dit les menteurs. On ne parle pas de ses collaborateurs. Si nous, on veut attaquer Big Togo, on va directement sur Big Togo. Si on veut attaquer Kandia Camara, c'est Kandia Camara, on attaque. On dit, c'est pas parler français. Voilà comment nous, on fait. Mais toi, tu parles des collaborateurs, et puis tu dis, c'est Babou qui est menteur. C'est Babou qui était à la filière Café Cacao là-bas. Babou n'était pas à la filière Café Cacao, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est ça la triste réalité. Bobo n'était pas à la filière Café Cacao, frère. Tu dis que c'est Bobo qui était monté. Il faut nous démontrer ça pendant qu'il désire. Le 18 juin 2008 a été renvoyé au 16 novembre 2010. C'est Bobo qui a été renvoyé. Il y a des gens en haut lieu qui ne tiennent absolument pas à ce que ce procès ait lieu avant l'élection présidentielle de 2010. Ce qui suit permet de soutenir une pareille thèse. Rappel des faits. Sur la base de la clameur publique, le président Gbagbo Laurent a instruit, courant octobre 2007, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau au fait de diligenter une enquête sur le présumé détournement massif de la filière Café Cacao en Côte d'Ivoire. La police économique et la brigade de recherche de la gendarmerie nationale sous la supervision du parquet d'Abidjan, ont procédé à de nombreuses investigations pour recueillir des informations devant établir la preuve de ces détournements. À l'issue de leur enquête, 24 responsables des structures de cette filière Café Cacao vont être cités par le procureur de la République. Tu as vu le nom de Gbagbo Laurent dedans? Si tu avais mis, par exemple, les collaborateurs de Gbagbo Laurent trempé dans un scandale, je peux comprendre. Mais tu as mis en voilà ça, prix du cacao, deux points. Laurent Gbagbo, super menteur. Voici le titre de ta vidéo sur YouTube. Mais là, tu parles de ses collaborateurs. Tu parles de 50 personnes qui ont été arrêtées. Est-ce que tu as vu, parmi les 50 personnes-là, tu as vu le nom de Gbagbo Laurent dedans? Tu vois, non? Gbagbo Laurent, ce n'est pas les autres. Les autres, ce ne sont pas Gbagbo Laurent. Chacun paye pour ses actions. Le voltaïque qui t'empêche de rentrer chez toi là, Adama Big Togo, dont tu as peur, puis tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire là. Mais il était dans l'affaire de déchets toxiques, c'est lui qui était le ministre. C'est lui qui avait pris ses milliards là. C'était pas Gbagbo Laurent, non? C'était lui. C'est son nom qui avait pris la toile. C'est comme ça, chacun paye. Quand tu as maintenant poil un peu partout, tu payes pour tes prix, pour tes actions. Ah oui, monsieur Johnny. Donc s'ils ont attrapé 50 personnes dans la filière Café Cacao, Gbagbo Laurent était président de la République. Il n'était pas membre de la filière Café Cacao. C'est ça la triste réalité. Tu vois, je ne dis même pas que ce que tu dis, tu mens. Hein? Et je ne dis pas que Abidjan pour être ment. Mais je viens maintenant dans la réalité ou bien dans... Je vais dire que j'essaie de te faire comprendre quelque chose. Tu vois, je reconnais. Peut-être ce que tu dis, c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, je ne sais pas. Mais il n'existe aucun président dont autour de lui, il n'y a pas de faussaires. Ça n'existe pas. Il y a toujours des faussaires, des gens qui mangent, des gens qui volent. Mais ici, tu as mis que c'est Gbagbo qui est menteur. Il faut démontrer où il est menteur. Pas ses collaborateurs. Pas les gens qui étaient dans la filière Café Cacao. C'est ça qui est la triste réalité, frère. Sinon, ton président qui est au pouvoir, là, ses collaborateurs ont fait beaucoup de choses ici. Hein? Beaucoup de choses. Et quand nous, on veut les attaquer, c'est eux qu'on attaque. Voilà. Quand on veut les attaquer là, c'est eux directement qu'on attaque. Quand Kandia casse le français là, c'est Kandia on attaque directement. C'est pas le collabo, c'est pas le drama qu'on attaque, c'est Kandia. Merci pour les fleurs, monsieur Marius Brice. Merci beaucoup pour les fleurs. On continue. Mais chose curieuse, seuls deux sur les 24
verront leurs comptes bancaires audités et publiés dans les rapports de la brigade de recherche et de la police économique remis au procureur. Il s'agit d'Amouzou Kassi Henry, président du conseil de gestion de la FDPCC, Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao, ainsi que Kwasi Théophile. C'est... Donc quand tu prends Amouzou et puis Kwasi Théophile là, dont ils ont, je sais pas, ils ont fait leur compte bizarre là. Est-ce que le nom de Babo Lora est là-bas? Moi c'est ça. C'est là que je t'attends. Est-ce que le nom de Babo Lora est là-bas? Tu vois, tu dis rien de bon, frère, mais on va poursuivre quand même. Exécutif de la même structure. On va avancer. Avançons seulement. C'est que sur les 24 inculpés, en dehors de ces deux personnalités, toutes sont des militants et responsables locaux du FPI. Voilà pourquoi on ne les a pas mis dedans. Ah oui, voilà pourquoi on ne les a pas mis dedans, on a pris deux seulement. Qui les a pris? C'est Babo Lora, mais c'est la justice. Maintenant, imaginons même que c'est le cas. C'est ce que Trama n'a jamais fait. Imaginons même que c'est Babo Lora qui a dit, bon, ne mettez pas leur nom, ou bien ne les poursuivez pas. Est-ce que c'est ce que Drama n'a jamais fait? En Côte d'Ivoire, les gens volent des milliards. Drama ne les poursuit pas. Ton gars, là, le DG de fer, là, il a volé beaucoup de milliards. Drama l'a préféré, il a préféré simplement l'écarter. Il n'est pas en prison jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est la triste réalité. Adama Big Togo a volé l'an de l'État. C'est pas allé quelque part. Donc, c'est la même chose. Et je suis sûr que l'argent que les collaborateurs de Draman volent là, ça dépasse ce que tu penses que ceux-là, ils ont volé là, dans la filière café cacao. Voilà. Donc, quand tu dis menteur, en quoi est-ce qu'il y a un mensonge ici de M. Babo Lora a menti? On va poursuivre un peu. Il faut continuer, frère. Ok. Partis au pouvoir et sont pour la plupart de la même ethnie que M. Babo. Certaines, dont Placide Zougrouna, PCA de l'ARCC. Ceux qui travaillent avec Drama Ouattara, ils sont des mêmes ethnies que qui? Hein, monsieur Koukounio? Ceux qui travaillent avec Drama Ouattara aujourd'hui, là, ils sont de même ethnie que qui? C'est la question. On continue. Autorité de régulation de la filière café cacao. Et Kouakou Firmin, 2G du FRC, Fonds de régulation et de contrôle, sont respectivement directeurs de campagne de M. Babo à Toumodi et à Sefra. Ce qui explique la raison pour laquelle les enquêteurs se sont bien gardés d'éplucher leur compte bancaire. Comprendre pourquoi et qui les enquêtes de Guy André qui fait déranger. Guy André qui fait déranger, on va aller pour enquêter en profondeur. Allons seulement. Grand 1, les différents audits. Du 18 au 30 juin 2008, Monsieur Nyakade Ladji Joaché, doyen des juges d'instruction, a inculpé et mis sur mandat de dépôt tous les principaux dirigeants des structures en question, PCA, DGA, DG, DAF et directeur de société filiale. Deux mois après leur incarcération, trois audits ont été commandés par le juge d'instruction. Deux audits comptables et financiers, un audit douanier. Les audits comptables et financiers sont effectués par l'inspecteur général des finances et l'autre par le cabinet londonien Moss Stephen. Mais chose curieuse, au cours de ces audits, aucun des dirigeants emprisonnés n'a été attendu par les auditeurs pour faire la lumière sur quelques détails que ce soit. On ne les a pas attendus pour qu'ils soient en prison. Ce sont plutôt d'autres personnes qui ont été attendues à leur place. L'audit étant contradictoire, voilà, parce que ceux qui sont en prison, d'autres viennent témoigner à leur place, c'est normal qu'ils soient contradictoires. Quelle était sa valeur ou quel objectif recherchait-on quand il s'est fait sans aucune contradiction? On poursuit. L'audit douanier fera ressortir un manque à gagner de 600 milliards de francs CFA, plus d'un milliard de dollars. Et l'audition de M. Alessi Nézi, syndicaliste agent de la BCC, bourse du café et du cacao et ex-responsable du guichet unique de sortie où se font toutes les opérations de contrôle du produit et d'embarquement du café et du cacao est édifiant. En effet, M. Nézi, des quantités importantes de cacao de grade 1 ont été déclassées en sous-grade
où un homme est exporté dans la complicité de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Bohun Bouabré de l'agriculture, Talon Djedjé, et de l'agriculture, Talon Djedjé. Ça veut dire que Bohun Bouabré et Talon Djedjé ont déclassé des cacaos de grade 1 en sous-grade, et puis ils ont vendu ça à l'étranger dans le dos des planteurs. Mm-hmm. Voilà la réalité. Oui. Ils sont impliqués également, selon M. Messi, le gendre du président Bakou, Stéphane Kipré, devenu milliardaire et sillonnant le pays depuis plus de 2 ans pour faire des dons aux populations rurales dans le cadre de l'implantation de son parti politique, l'UNG, ah. En parenthèse, Union des Nouvelles Générations. Cette mamita me fatigue. Créé pour soutenir son beau-père, le président, deux points. La première vice-présidente du comité de gestion de la filière Café Cacao, Mademoiselle Donvoyi, fille de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Charles Donvoyi, ainsi que certains gros exportateurs de café et de cacao, connus comme des proches de M. Bagbo. Mais ce qui apparaît comme une grossière hérésie, c'est que nulle part dans les rapports d'audit commandités par le juge d'instruction et des avocats de certains prévenus ont pu consulter au paquet qui n'est fait mention des sommes colossales versées au président de la République sur ses propres sollicitations via le directeur de cabinet, via le directeur financier, par les dirigeants de la filière Café Cacao. Ça veut dire que Bagbo Laurent, par son directeur de cabinet, Jacques Amicha, il demandait aux gens qui géraient la filière Café Cacao de lui verser des sommes. On va dire encore, allons. Ah, mon frère. Tu as pris plus de 20 minutes pour la lecture. Ah, mon frère. Moi, j'ai m'arrêté là. Hein. Le truc est déjà fini même. Cher camarade, j'ai m'arrêté là. Moi, il doit préparer. Comment on ferme mamite ça là, mamite en vapeur là. J'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais pour fermer là, ça me fatigue. Hein. Je ne sais pas comment on ferme ça. Bah, il doit faire mon polo là. Polo là, il faut faire ça d'abord dans la vapeur avant de faire tout. Cher camarade, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Vraiment, aujourd'hui, la vidéo n'a pas été trop intéressante parce qu'il y a trop de lectures. Trop de lectures, monsieur Johnny. Faut revoir ta copie là. Il y a trop de lectures. Hein? Tu n'as même pas démontré en quoi est-ce que monsieur Bagbo Laurent a menti. Tu n'as rien démontré, frère. Hein? C'était vraiment naze. Hein? Pour hier même, était un peu mieux. C'est naze aujourd'hui. Comme demain. Il y a juste que. Par exemple, toute ta vie, c'est de Bagbo que tu vas parler. Jusqu'à un jour, Dieu va te rappeler. Voilà. Et puis, tu risques de partir avant Bagbo Laurent. Faut rester là, ce moment, faut le détester pour rien. Tu risques de partir avant lui. Toi là, tu risques de partir avant lui. Toute ta vie. Donc demain, il sait que forcément, tu as framponné une autre vidéo. Donc il est revenu sur toi. Voilà. Sinon, c'est comme le dit M. Consti, c'est non, tu cherches sous. Parce que tu n'as plus de nom, tu cherches non. Sur le dos de Bagbo Laurent, c'est tout. Tu cherches non. Sur le dos de. Non, il y a une manière de fermer. J'ai même le carton encore avec moi. Il y a regardé comment on ferme. Il y a une manière de fermer là. Ben, il faut que ça se ferme bien comme ça. Parce que c'est à vapeur. Voilà. Il a fermé ça, il a fait ça, il a vous laissé, il a essayé de préparer parce que maintenant c'est fini. Nous on fait ça de 2 jours. Voilà, deux jours. Souvent il va jusqu'à 3 jours. Il met dans le frigo. Voilà, donc il a fait ma sauce. Aujourd'hui il a fait gombo. Sauce gombo d'une manière. Donc Johnny, merci beaucoup. Merci. Eh hey, Yako, donc c'est ta vie qui est là comme ça. Hein. Toute ta vie c'est fini. Eh hey, ça fait pitié. Hein. Eh hey. Johnny Pacheco, faut regarder. D'ici quelques années tu vas voir. Il y a drainé full comme ça à Lakota. Voilà. Moi, je suis devenu député de Lakota. Ça y est, déjà dans mes projets, j'ai déjà commencé à lancer les appels. Tu vas voir. Toi-même, tu seras là et puis tu vas me voir comme ça. Honorable. Honorable patriote. Honorable Herman, c'est comme ça qu'on va m'appeler. Dans très peu de temps. Tu vas voir. Voilà. Je suis devenu député. Soit je serai le candidat du PPCI là-bas, ou soit moi seul, il est parti. Toi-même, tu vas voir. Et puis, tu vas voir, Jamana. Voilà, il a commencé d'abord là-bas. Et puis maintenant, il a emmoté un peu. Tu es un plaisantin, tu ne vaux rien. Toute ta vie, là, c'est ta vie là qui est là, comme ça, détester les gens bêtement. Même Drama Ouattara qui a fait Rébellion, là, je ne le déteste pas comme ça. Moi-même, je dis, si on met Draman et puis on met Sorogium, il va prendre Draman. Draman Ouattara qui a fait Rébellion, là. Drama Ouattara qui a soutenu la rébellion, là, qui a présidé la rébellion, là. Je n'ai même pas de la haine comme pour lui, de la manière que tu détestes, Bagbo Laurent. Il t'a fait quoi? Bagbo Laurent t'a fait quoi? C'est sous son régime, tu étais gendarme? Pourquoi sur le régime de Draman, tu n'es pas gendarme? Faut aller devenir gendarme. Tu as malmené Apollo ici. Tu l'as insulté matin, midi, soir. Tu peux même plus devenir gendarme encore. Même ton poste, tu ne peux pas prendre.
faut aller reprendre ton poste. C'est ton président, c'est ton Mogo qui est président. Tu vois? Tu as eu papier dans l'affaire de Gbagbo là. C'est Gbagbo qui a fait que tu es en Europe aujourd'hui. S'il n'y avait pas politique, si Gbagbo n'était pas président et que les gens n'ont pas fait rébellion, tu n'allais jamais te retrouver dans le pays des Blancs. Tu as compris ou pas? C'est encore Gbagbo Laurent là qui a fait que tu t'es retrouvé là-bas. Parce que tu étais gendarme et tu as fui. Les Blancs t'ont donné papier. Tu as croisé femme blanche. Vieille femme blanche, il faut préciser. C'est ça qui fait que tu es là-bas. C'est ça qui est la triste réalité. Ton affaire de Bengue là, ça t'a surpris. Ça t'a surpris, c'est pourquoi ton gawaya là, on s'en sent toujours en toi. Mon pote, t'as fait quoi? C'est grâce à lui que tu es en Europe. C'est grâce à lui que tu as chaîne YouTube. C'est grâce à lui que tu as le truc bleu là aujourd'hui. C'est grâce à lui que tu as eu nom, tu as eu abonné. Tu vois que tes abonnés là, ça va lentement maintenant. Pour faire 1000 abonnés, tu as fait 3 mois. Et puis tu as plus 1000. Tu as fait 4 mois, tu as plus 1000. Tu n'as pas remarqué? Regarde ta chaîne YouTube. Ça va lentement maintenant. C'est pourquoi aujourd'hui, tu as oublié de l'insulter comme ça, t'apprends tous les doulas qui détestent Gbagbo Laurent, ils vont venir s'abonner. Tous les pros-soros qui détestent Gbagbo Laurent vont venir s'abonner. C'est pourquoi tu fais ça? Tu cherches non. Tu cherches non. Tu es tombé, frère. Tu es tombé. Tu es tombé. Tu ne peux même plus faire 500 personnes en ligne. C'est rare même, tu as 1000 personnes en ligne. Tu es tombé. Tu es tombé. C'est ça la triste réalité. Il faut laisser le monsieur tranquille. Sinon, tu mourras à l'ISU. Il faut laisser le monsieur tranquille. Sinon, tu mourras dans tes fesses. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Hein? Je ne vais même pas te laisser même. Ce qui me fait mal, c'est que tu as ralenti mon combat dans l'AES. C'est tout ce qui me fait mal. Tu vois? Donc, ce que je vais faire, je vais finir d'abord mon combat dans l'AES. Et ça avec toi, il est terminé avec toi toutes mes journées. C'est-à-dire, toi, c'est, là, il est quelle heure? Il est 17h41, là où je te parle. Ça veut dire, il est tard en Europe. C'est pourquoi tu vois 333 personnes en ligne. Et puis, Facebook, il n'y a même personne en ligne. TikTok, il y a brin-brin. Merci TikTok, on est à 21 000. 21 000 likes. Merci beaucoup d'avoir tapoté. Merci beaucoup à ceux qui ont mis les likes. Tu as compris ou pas? Ça dit, toi là, comme tu n'es pas important, je vais finir toutes mes vidéos. Si je dois parler pour l'AES, parler, faire les... Il est fini. Et puis toi, chaque soir, on va terminer avec toi. C'est comme ça que je vais faire. Sinon, je n'aurai pas le temps pour les autres. Attends, toi, tu es insignifiant. Mais je ne vais pas te laisser quand même. Si tu ne t'attaques pas Gbagbo Laurent, tu ne me verras pas sur ton chemin. Tu l'attaques désormais. Il faut te dire qu'il y a quelqu'un qui va te répondre. À partir de aujourd'hui, dorénavant, il faut te le dire. Tu as compris, Johnny? Johnny le tunnel, à partir dorénavant, il faut te dire qu'à chaque fois que je vais attaquer Gbagbo Laurent, il y a quelqu'un qui va venir me déconstruire. Donc il faut bien réfléchir avant de parler, parce qu'on va te déconstruire. Aujourd'hui, là, je n'ai rien vu j'ai pas vu quelque chose d'intéressant en tout cas. Tu ne m'as pas trop épaté. Tu vois, tu ne m'as pas trop épaté. En tout cas, j'ai fait l'effort de défendre le président. C'est ça le but recherché. J'ai fait l'effort de défendre. Demain, tu viens, il va défendre encore. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en direct. Moi, c'est Herman le Patriote. Je vous remercie d'avoir pris votre temps pour regarder cette vidéo. On se prend à demain. On a à demain et on va continuer les hostilités. Je n'arrêterai pas tant qu'il n'arrêtera pas. Le jour où il arrête d'attaquer Gbagbo Laurent, j'arrête. Tant qu'il est là, je vais parler. Malheureusement, ça sera toujours très tard de chez vous. Vers les minuit, 1h du matin, c'est là que je viendrai parler. Parce que je n'ai pas hypothéqué mon combat panafricain à cause de ce salaud-là. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.